Bonjour tout le monde, ici Yakipon pour Riva Sound Studio. Vous savez, la petite association toulousaine, vous avez plein d'informations en faisant le petit point d'exclamation sur le chat. Comment ça va? De retour sur Skull? Ça m'avait manqué en vrai. Le jeu est très cool. Le jeu est très cool même. Donc on est reparti, j'ai envie de dire. Allez go! On va essayer d'avancer bien comme il faut cette fois-ci. Même si, ben, soyons honnêtes, c'est compliqué. Est-ce qu'on avait... Oui, on avait à peu près ajouté tout ce qu'on avait besoin. Et on a du quartz que je vais peut-être utiliser pour avoir des os. Des os assez vite pour pouvoir essayer d'augmenter mon petit bonhomme. Avoir de l'or. Allez, on va essayer d'avoir de l'or. Donne-moi... Augmente le taux critique. Très bien. Et toi, donne-moi une tête que j'attends sur mon os. Bon, on le transforme. Au moins, on a 10 petits os. Allez, c'est parti! On joue pour... gagner des sous. Pas du tout. Mais on joue. On joue et on va de suite voir ce qui se passe. Bon allez, je retrouve les boutons comme il faut. Ok, l'esquive est là. Allez, ok. Badabim bamboum, badabim bamboum, badabim bamboum. Ok. Je me remets doucement dans le jeu, vous inquiétez pas. Ok. Si je perds sur le premier niveau, c'est pas grave, hein. Soyons honnêtes. C'est la partie de chauffe, il y en a toujours une. Puis là, j'ai perdu 40 points de vie, mais c'est pas très... c'est pas très grave. Je vais m'y remettre, vous inquiétez pas. L'anneau du vent, la vitesse d'attaque et le déplacement, ok. Bon, pour l'instant, ça nous fait quand même 3 objets, sachant que je peux emporter que 9 maximum. On verra ce qu'on abandonne au bout d'un moment. Oh là là. Ok, c'est bon, je commence à m'y remettre. Eh bien, viens. Je m'y remets. Petit à petit. Ça serait bien qu'on passe le deuxième niveau aujourd'hui, cela dit. Ça me ferait plaisir. On va pas taper dedans parce que sinon je vais me prendre les pics du dessus. Et de l'attaque physique, dis donc. Pas trop d'or, mais beaucoup de buff de stats. D'un côté, pourquoi pas, hein. Ça fait du bien aussi. On passe plein. On prend tout dans le jeu. Après, on verra. On fera le tri de ce qui nous est sur le coup utile ou pas. Sinon, tout va bien pour vous. Vous avez passé un bon week-end. Vous avez repris le boulot aujourd'hui, peut-être. Peut-être qu'il y en a qui sont en jour de repos. Comme moi. Ah, un petit peu d'or et on va essayer d'attraper, un masque qui vaut le coup. Enfin, un masque, un crâne. C'est fait. Bref, pif. Oh. Et mince. J'arrive même plus à esquiver le premier monstre, c'est fou ça. Je recommence à faire n'importe quoi, tout va bien. Alors, nous avons droit à... L'épéiste. Autant rester avec ce qu'on connaît. Oh, il y a du nouveau. Une petite ananas là. On va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Le crâne de glace. Vas-y, on va le tester. Hein. Oula. Zouch. Et je fais un pilier. Ok, ça a l'air cool.
Je trouve qu'il y a un sérieux problème avec les règles au château du roi des monts. Le roi occupe la plus haute position du château, n'est-ce pas? Je veux dire qu'il est au sommet de la chaîne de commandement. En fait, il occupe bien le dernier étage du château, ce qui me rappelle que j'ai le vertige. Je ne peux pas imaginer à quel point il doit avoir peur de se trouver, dans un endroit aussi élevé. Mais ce n'est rien comparé au fait de risquer sa vie sur le champ de bataille. Tu es constamment exposé aux bombes magiques et aux pluies de flèches. Hier, quand j'avais encore ma tête, j'ai failli prendre une flèche dedans. Je dis des bêtises. Je me demande qui a tiré. Oh, le renard est aussi un bon tireur à l'arc. Transmets-lui mes salutations, d'accord? Ok. Une quintessence, la blague nulle. Pour lancer un insecte facial qui s'accroche pendant 5 secondes aux ennemis avec lesquels il entre en contact, les ennemis auxquels est attaché un insecte subissent 30% de dégâts en plus. Eh, hey, c'est cool en vrai. Je vais le prendre. Je vais prendre la blague nulle. Et je vais me soigner. Et j'aurais pu prendre un objet comme ça. Mais c'est pas grave. Allez, go! On va faire le mi-boss. Avec notre nouveau perso et notre blague nulle. Je l'ai raté. Tout va bien. Check, 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 check. Blague nulle! En avant! Mince. Faut que je fasse gaffe parce que quand je congèle, je n'arrête pas les dégâts. Enfin, je l'arrête pas en train d'attaquer. Quoi. Juste pour une microseconde. Allez, on se barre. Voilà. Tiens, prends la blague nulle! Mince. La blague nulle, la blague nulle. Ah! Bon. J'ai pris un peu cher, c'est vrai. Mais j'ai ma blague nulle. L'attaque physique est magique, go! Et après, on essaiera de se soigner. Bon, ce qui est dommage, c'est que toi, je vais pas pouvoir me. Je vais pas pouvoir faire. L'évolution de la glace. Mais d'un côté. C'est pas très grave. On va voir si on peut avoir mieux. La glace est pas mauvaise, mais. Ouf. Vu que c'est la première fois que je la joue, je sais pas trop comment m'en sortir. Bon, ok. C'était pas ouf, mais c'est pas grave. J'ai gagné des petits cristaux. On recommence, tranquillement. Y a pas de problème. Ah, ben le voilà. Lui, il est bien. Je vais prendre un autre crâne, s'il vous plaît, pour le transformer en os. Et on va viser les têtes et les trésors. La tablette, l'attaque physique et magique, c'est très bien. Hein, pour démarrer, je trouve. Parce que peu importe sur quoi je pars après, moi, je pourrais faire des bons dégâts. On verra. Allez, on va viser les têtes pour voir des os. Par contre, j'ai pas vu mon pouvoir. Ouh. Allez, ça c'est fait. Ensuite, on va prendre la vitesse d'attaque. Tic tic tic. Tic tic tic. Tic tic tic. C'est pratique. Tic 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 tic. Tic tic tic. Tic 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 tic. Mince. Aïe. Ok. Good. Montre-moi ce que je peux avoir. Oh non, pas l'arbre nul. Au revoir. Cool, je peux avoir un autre crâne. On y va, on y va. Tic 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 tic. Tic. Nice. Mais je peux le faire en l'air ça, mais tout va bien. Super. Deux fois. Trois fois. Tout va bien. Punaise. Aïe aïe aïe. Bah c'est le début, c'est normal. Je reprends tranquillement. Ça va le faire. Oh, le Minotaure.
Lorsque les compétences sont lancées, inflige des dégâts physiques aux ennemis proches pendant 3 secondes. On va le tester. Ouais, ça cogne un peu et après... je dash. Bon. Ça me fait beaucoup d'eau. Donc on va prendre les eaux. Parce que les eaux, c'est bien. Toujours bien. J'ai trompé. Oh là, c'est ça que je voulais faire. Ah, punaise. On va y arriver. Tic 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 tic. Et bonjour, petit Atiz. Petit ou grand, je sais pas. C'est pas grave. Non, je le veux pas, ça. C'est quoi, ça? Oh, l'énigme! Je peux avoir l'énigme. Vous ne subissez aucun dégât des pièges. Utilisez quintessence pour invoquer un piège à énigme aléatoire. Cette quintessence peut contenir jusqu'à 2 charges. Tiens, non. J'ai pas beaucoup d'or, cela dit, donc j'ai... Ouais, je vais me soigner. C'est bête à dire, mais j'ai que ça. Pas beaucoup d'or. Bon, en même temps, j'ai voulu viser le... les os. Les os pour voir l'amélioration du... Tiens, c'est la première fois qu'on l'a toute seule, elle. Oh, bordel. Tu te calmes. Yes, j'ai tout foutu en l'air. Mais je peux pas dasher deux fois. Par la Sainte Croix. Oh, mais elle est trop forte. Comment je suis censé faire? Moi aussi, je peux esquiver. C'est juste que j'ai été très mauvais. C'est pas grave, ça arrive. Tic tic. Le pire, c'est que c'est même pas son gros pouvoir. Oh mince. Bon bah prochain tir, je meurs. Allez, qu'est-ce qu'elle fait? Les héros ne meurent jamais. Oui. Est-ce qu'elle a ressuscité ses potes? Peut-être que c'est ça. Ah, 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 ah. Mais elle se soigne beaucoup trop. Ah. Ah, ah, ah. Arrête de te soigner. Check, 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 check. Mais elle fait pas semblant, quoi. Plif. Arrête de te soigner. Dame humaine. Elle fait que ça. Des grosses attaques pénibles. Voilà ce qu'elle fait. Allez. Oui. Bon, j'ai réussi, mais je suis vraiment pas très bien. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, c'est un peu la galère. L'attaque physique avec mon arc, c'est très bien. Aïe, 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 je peux pas avoir madame. Mais s'il te plaît, fais-moi évoluer. Oh, j'aurais pu... j'avais pas vu que je pouvais avoir un crâne. Bon, là, de toute façon, il va me falloir de l'or pour pouvoir... Ok. Il va me falloir de l'or pour pouvoir acheter de quoi me soigner. Parce que c'est un peu la galère, soyons honnêtes. C'est la galère totale. J'en suis. Oh, pardon. Parfois je m'étonne moi-même de ce que je peux faire. Tic 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 tic. Aïe aïe aïe. Mais quelle galère, mes aïeux. Allez, on avance, on avance, on avance. On aura de l'or. Pour le prochain. Ouf. Ouais, bon, je vais pas atteindre la prochaine. Je vais pas atteindre le prochain marché, je pense. Voilà. Bon!
C'est un peu la galère là aujourd'hui. Un peu beaucoup même. Je sais pas trop pourquoi. Non, pas lui. J'aime pas. Tu peux proposer mieux. On en fait un dernier. Ah, je peux pas plus de fois. Super. Oh, bon, voilà. Alors, on a droit à de l'attaque magique. Génial. Et je voudrais quelque chose. Un anneau de vent. Mais c'est pas fou. Donne-moi autre chose. Bon, c'est pas grave. Zouche, zouche. Bah. Touk, touk, touk. Nous allons à l'intérieur. Mais c'est nouveau, ça! La bête profonde. Qu'est-ce que c'est? Ouais! Alors, s'ils sont tous... S'ils sont tous piégés, je sais pas comment je fais. Ce coffre géant ne s'ouvre pas encore, en tout cas. Bon. Je pense malheureusement qu'il y a une clé cachée quelque part. Et qu'ils vont tous me péter au visage, peut-être. Ouais, une gemme. C'est de l'or. Ils vont peut-être pas tous me péter au visage, cela dit. Comment je peux savoir qui... Non, ce serait dommage de partir. Bon. On va voir. On va essayer, j'ai envie de dire, pour une fois que c'est là. On va essayer de trouver une clé. Ah! Des os, des petits os. Bon, il y en a trois, mais des os. Des os quand même. Des os, pas des os aussi. Oh! Sans quartz? Mince. De toute façon, je vais essayer de trouver la... Je vais mourir. Je vais mourir! Oui, donne-moi des quartz, là, tout ça, pour améliorer mon personnage. Parce que je vais exploser. Qu'est-ce que... Bonjour? Mais... Oh! J'étais obligé de prendre le coup? C'est dommage. Bonjour? Oh, des os. C'est quand même dommage, parce que ces os-là, je pense que je vais pas pouvoir m'en... Un rubis vert. Le problème, c'est que je pense que je vais me faire avoir. C'est, je prends deux coffres, ils explosent, c'est fini. Mais j'aurais gagné 236 quartz. Et ça, c'est cool. Ouais, une gemme. Bof, c'est du toc. Bah, écoute, même si c'est du toc, je prends, moi. Encore des os. Je joue à un jeu dangereux, je pense. Non, 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 non. Ah. Je suis obligé de prendre le coup, ouais. Bon. Bah, il me restera 3 PV et j'ai inter... Ça, c'est pas très grave. Ah si, ça fait 20. Bon. Eh ben, tant pis. J'aurais pas trouvé la clé. C'est dommage. Cela dit, c'est très dommage. Bon. On va voir ailleurs si j'y suis. Et si j'y arrive. Allez. Ah, d'accord. Bon. Eh ben, j'ai pas fait long feu. Mais c'est pas grave, j'ai gagné plein de trucs. Donc, au final, c'était bien. Je vais pouvoir améliorer mon personnage. Ça coûte cher maintenant, quand même. Les PV, la recharge. Ouais, c'est très cher. On va prendre un attaque physique et on va prendre ça. Allez, hop! J'aurais pas besoin, j'aurais pas de nouvelles têtes, mais c'est pas grave. Hop, on prend ça. On prend... Oh, de l'attaque physique, merci. Et maintenant, on se bouge. On se bouge et on essaie au moins de refinir le premier niveau. Parce que quel enfer! C'est quoi, LT? LT, je fais quoi? Apparemment, j'ai invoqué des trucs. Il tape fort. Check, check, check. Mince. Oh non. Alors le verre en premier, hein, parce qu'il est pénible. Ouais, c'est ça, j'ai envie de potes. Oh cool! Bonjour madame! Aide-moi. Aide-moi dans ma quête.
Grâce à vous, squelettes, je suis enflammé. Nous avons tenté de désorienter l'ennemi en les attaquant par derrière. Mais ils étaient trop nombreux, nous aurons dû être plus prudents. Je tiens à vous remercier pour m'avoir sauvé. Avez-vous besoin de ces os? Oui. Donnez-moi, oui. J'ai pas envie d'améliorer celui-là, cela dit. Donc on va essayer d'avoir un crâne plus prometteur. Et j'ai gagné les braises. C'est bien les braises. Check, 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 check. C'est bizarre parce qu'on dirait que j'ai deux charges. Ah, dommage. Je pensais le tuer avant qu'il me tape. Check, check. Je pouvais pouvoir avoir une crâne. Et ça, c'est bien. Go, 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 go. Allez, go! Je sais pas viser. Je ne sais toujours pas viser. Ils font de bons dégâts, les gardes que... Mais j'étais derrière. Oh! Ouais, il tape un peu mieux. On verra si c'est lui que j'augmente. Oh non, il n'y a pas le type des crânes. C'est dommage. Bon, qu'est-ce que je peux prendre? Un éclair... les éclairs... Oh. Bon, on va se soigner parce qu'on est mauvais aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui très mauvais. Ou alors ils ont mis à jour le jeu et ils ont mis difficulté plus. Non, je déconne. Ils n'ont pas fait ça. Ah, y'a. Ah, y'a. Y'a, y'a. Bim, bim. Ah, j'ai infligé hémorragie, c'est fort. Enfin, je peux infliger hémorragie. J'ai fait n'importe quoi, hein. C'est fou. Mais... Je fais n'importe quoi aujourd'hui, c'est incroyable. Mais mince! Ça devient insupportable d'être mauvais. Super! J'atterris juste dedans. Oh, mais je fais n'importe quoi, mais je suis pas content. Je suis pas content. Oh, Kratos. Vas-y, go. Ouf, zwoosh. Zwoosh, zwoosh, zwoosh. Bon, on va faire ça. Super, avec des critiques. Je peux avoir une autre tête, s'il te plaît. C'est quoi? Oh, c'est nul. Enfin, c'est pas que c'est nul, c'est que je n'aime pas le jouer. Oui, donne-moi des trucs, parce que, ben, je suis très mauvais. Même avec 40 PV en plus, je suis sûr que je vais mourir. Zwoosh. Ça va s'arranger le temps que tu te refasses la main. Ben, merci. J'espère, parce que, dis donc, j'ai fait 3 parties, j'ai fait 3 grosses loses. Mais alors, mais il y a des trésors partout. Ah, mais je peux les avoir. Mais il y a des événements, parfois je les comprends pas. Est-ce que le jeu essaie d'être sympa avec moi? Bon, vous m'en voulez pas, mais... C'était pas le meilleur crâne du monde. Hein. Ou alors je ne sais pas jouer. De toute façon, c'est bête à dire, mais les armes lourdes, ça a jamais été trop mon truc, moi. Oh, 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 on se calme. Wow, wow, wow. Allez, ça dégage. Ouf. Ouais, les armes lourdes... C'est pas ma tasse de thé. Oh. Bon, attends, parce que... Peut-être que là, oui, quand même. Voilà, ça dégage plus vite. Alors, qu'est-ce que vous me donnez? Oh! Bah, c'est pas mauvais en soi, mais. Moi, ouais, si, ça tapote vite. J'aime bien quand. J'aime bien les armes rapides. Check, 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 check. C'est pour ça, on s'amusait bien avec le clown lundi dernier. Avec ces petites dagues là. J'espère que je vais retomber dessus. Check, 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 check.
C'était vraiment sympa. J'avais bien aimé. Faut tuer le verre. Faut tuer le verre. Oh, bon ben... Désolé, monsieur l'arbre rose. Mais vous avez ramassé. Ok, on va chercher des trésors, tout ça, tout ça. Toujours pas ceux de Kellogg. Ah mince, j'avais pas vu qu'il y avait un... Bonjour. Merci. Ah, j'ai pas sauté au bon moment, bon, c'est pas grave. Boum. C'est bon, tout le monde a été... Oui. Un trésor de l'attaque physique. Punaise, mais... Ah, ça m'embête parce que bah, depuis tout à l'heure, j'ai de très très bons objets. Mais qu'est-ce que je suis mauvais? Tu es mauvais. La surcharge, je m'en souviens pas. On va la prendre parce que j'ai pas de quintessence. Ça peut aider. De l'or. Exécution et nécromancie. Lorsqu'il inflige des dégâts supérieurs à 50% des PV maximum d'un ennemi, un pic jaillit de la cible et inflige des dégâts. Mais... Ah, c'est un virus, j'avais pas vu. Je vais le prendre. Allez hop. Je vais le prendre parce que déjà, un, on n'a jamais pris l'objet, et deux, c'était l'objet le plus intéressant. Oh non, pas le ninja. Check. Ah, j'avais pas vu que la surcharge me faisait voler. Comment il se bat, lui, déjà? Ouais. Check. Ah, je l'ai raté. Vas-y, reviens par là. Ah non, il ne le fait pas. Adieu. Check. Aïe. Vas-y, atterris, va. Tiens, prends ça. La surcharge. Ça, c'est le... Tout. C'est le moment où il fait des trucs. Mais qui sont pas oufissimes, hein, soyons honnêtes. Mince, je me suis trompé. C'est pas grave. Bof. Aïe. J'avais pas vu. Je veux redevenir le loup. Il va bientôt mourir, ça va dire. Hop, raté. Allez. C'est quoi? Bah... On l'avait déjà eu, ça? L'âme qui s'en va... Je crois pas. De l'attaque magique. Bon, techniquement, j'en ai pas besoin. Mais tactique, c'est fort. Et j'aurais pas assez d'eau pour devenir un loup encore plus puissant. C'est pas grave. Peut-être au prochain. Bonjour, madame. On verra au prochain. Oh là. Super, j'ai perdu 40 000 points de vie. C'est quoi, ça? Ah, c'est mon pouvoir. C'est le virus, je sais pas quoi, là. C'est très fort. À chaque fois que je tue quelqu'un, bah, ça peut être très très fort. Ah oui. Ah ouais. Ah oui, c'est bien. J'aime beaucoup. Ah, c'est par ici. J'ai des champs plein dedans, je suis ravi, moi. Tomber dedans. Zouche. C'est très très cool. Ça combote vachement bien avec ma compétence. Enfin, du moins pour le moment. Je sais pas si je ferai ce genre de dégâts plus tard. C'est cool pour l'instant. Bon, j'aimerais bien des nouvelles têtes. Ah ouais, mais là, comment je fais? Ok, le jeu est permissif, merci. Sinon, ça va être très compliqué, cela dit. Check. Prends le feu, toi. Les mages en premier. Bon, déjà, ça va un peu mieux, je prends... Enfin, je trouve que je prends un bon coup de dégâts. Mais ça, c'est que le début, évidemment. Bonjour, ça va, boum. C'est cool, ça. En vrai, pour esquiver, c'est bien. Bon, je peux faire des dégâts avec. C'est déjà le boss? Non. Je sais plus. Mince. Ouf, 750, la baguette de Manatech. Tata, toutes les attaques infligent des dégâts critiques jusqu'à ce qu'une carte ait été terminée. C'est très fort. Ok.
Qu'est-ce que c'est que ça? La gargouille vole brièvement en maintenant le bouton en l'air. Sa vitesse d'attaque est de 100%. Bon. Ah, ça, c'est la blague nulle. Super. Qu'est-ce que j'ai comme objet? Attaque magique. Lorsqu'elle est touchée, ça explose. Qu'est-ce que c'est que ça? Lors d'une attaque en sprint, il y a 30% de chance de conjurer les ennemis touchés, réduit les dégâts reçus de 10%. Hein, ça peut être fort. Mais d'abord, on va se soigner. Je crains beaucoup trop d'être mauvais. On va prendre ça. Hein. Ah! Un nouveau crâne. S'il est rare, on pourra peut-être le changer en 10. Wow! C'est passé des trucs. Hein. Hop! Je me suis trompé de bouton, pardon. C'est très cool le virus! Ça tombe bien parce que j'aime pas. Allez, au revoir! Dommage, il m'en manque un. Enfin, un. Boum! Boum boum boum! Boum boum boum! Boum. J'ai dashé dans les pics, je suis ravi! Et je suis resté dedans parce que j'ai fait un câlin. Ah, oh, comment je peux avoir mes points de vie, moi? Bon, je les aurais pas. Dommage. Je voulais mes points de vie. Boum. Où sont les ennemis? Ah, c'est bon. Un bon objet. Le croc de vampire restaure un PV tous les 3 morts. Hé hey, c'est cool. Malheureusement, je n'aurais pas évolué pour l'arbre. Bon, c'est la première fois de la journée qu'on fait l'arbre. En une demi-heure de jeu, bon. Je sais pas si j'avais fait mieux avant. Sur. Lundi dernier. Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. On va essayer, hein. De toute façon, je suis là pour ça. Hein. Comment il attaque déjà? Ah oui. Bon, super. Il a suffi que la première attaque, je la prenne. Je suis ravi. C'est bon. Je sais comment il tape. Ah, mais. Non, apparemment, je sais pas parce que je ne sais pas. Super, hein, je. J'adore prendre les dégâts. C'est vraiment. Il paraît que c'est conseillé dans les jeux de prendre des dégâts pour perdre. Mais il esquive pas bien le loup aussi. Mais bordel! Je vais jamais y arriver! Si j'arrive même pas à esquiver là maintenant, je vais faire comment? Ok. Ok. Refais-le! Non, pas les mains! Oh là là! Ouais, c'est compliqué. On va dire que c'est ça, c'est compliqué. Ok. Est-ce que tu pourrais te calmer, je te prie? Allez, check, 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 check. Ok, j'ai réussi l'arbre. Je n'ai tellement pas cru en moi. Donne-moi des trucs, s'il te plaît. Ouais. Bon, déjà, il m'a filé pas mal de cristaux. De la vie et l'armure du voleur. Ah oui, c'est les étoiles ninja, là. Check, check, check. Ça peut être très pratique avec le loup, pour enfin avoir quelque chose qui tape à distance. Puis ça attaque vite. Ah, enfin quelque chose de positif. Et je peux devenir méga loup. Non, même pas. Oh non. Non, s'il te plaît. Ah ben oui, ça fonctionne pour lui. Je suis méga loup. Méga loup. Mais ça elle m'en a pris que 10? Que 30 fragments? Ça veut dire que c'est vraiment un truc de base et c'est pas ouf, quoi. Je te parle. Oui, oui, moi c'est plus du dégoût. Ouais. Plus de dégoût que. Ouais. Tu veux toujours pas me donner à manger, toi, vu que t'as des assiettes? Non, tu. Bon, non. Ok. C'est la même chose qu'il a dit la semaine dernière. Mais il veut pas me donner de. Il veut pas me donner d'assiette. C'est décevant. Comme. Voilà. Elle vient de le dire en bas, c'est décevant. Check. Check, 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 check. C'est pas mal, vraiment. Puis. Il tapote le petit bonhomme. J'avais pas vu le piège.
Enfin, j'ai pas vu que j'étais descendu. Check. Encore ? Je me souvenais pas qu'il y en avait autant. Check. Oh là là ! Quel homme ! Pardon. Ah ! Check. Ok, donc en fait je déchiquette les ennemis. Tout va bien pour le moment. Je sais pas si je vais déchiqueter les deux gardes, cela dit, mais bon. Check. Où sont les mages? Ouf! Alors je leur ai mis des dégâts, mais eux aussi. Bon, tout va bien pour le moment. Mais Ah, un magasin. Oh! Qui dit magasin dit la vie. C'est un gâteau d'anniversaire! Oh la vache! 5000! Pour devenir un balrog. Bon, c'est peut-être pas si cher payé que ça. Mais... Allez! Je peux augmenter mon attaque magique, qui n'est pas très utile. Et l'énigme, c'est non merci. Oh, on va chercher des os, on va chercher des pouvoirs. Après, le loup est sympa, mais c'est un peu plus sympa, je sais pas, le... au hasard, je dis ça comme ça, mais le clown. Au pire, ça me fera des os. Parce qu'il en faut 30 pour devenir méga loup la prochaine fois que je recroise Madame l'araignée. Et Madame l'araignée, je pense que je vais la recroiser dans pas si longtemps que ça, cela dit. Je me suis complètement trompé de bouton, moi. Oui. Pas grave. Il se débrouille bien le petit skull de base, donc. Allez, on rechange. Dommage, je suis tombé. C'est pas grave. C'était ça que je voulais faire. Pas celui du dessus. Ah. Hop. On se met là. Bonjour. Zouche. C'est pas mal. J'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh! Non merci le guerrier. Et que 3 os il me manque. Bah ben, on va chercher un autre visage. Check. Oula. Je sais pas si j'ai pris des dégâts, j'ai même pas vu tellement il y avait de choses sur l'écran. J'ai même pas vu si j'ai pris un dégât ou... Bon c'est pas grave. Et on a droit... Oh, les pays squelettes, ça s'en va. Et d'un côté, bah, je pourrais revoir madame. Bah, juste après cela, je vais pouvoir. Bon, ça va, les deux, je les connais. Mais les deux ensemble, jamais vu. Ah, j'ai pas vu. Décidément. Ouais, les deux en même temps, c'est très dur, hein, par contre. Hein, c'est... Ah ouais, c'est très très dur les deux en même temps. Qu'est-ce qu'il fait lui déjà? Ah oui, ça, super. Bah je vais mourir. Ouais, bon. Ah! Punaise! Je m'en sors pas, sorcière, aide-moi. Tu veux pas venir avec moi? Pour taper les trucs, parce que là, Ouais, j'en suis un petit peu, ouais. Ah, bon. Celui-là, je veux bien. On va prendre lui. Où j'ai joué tout à l'heure. Oui, donne-moi... Super. De la vie en plus, c'est bien. Pour le moment. Et... Toutes les 20 secondes, crée un mur qui dure 5 secondes. Le mur annule les dégâts frontaux subis. C'est très bien. Et c'est quoi, cœur et tout ça? Génère un bouclier valant tatata toutes les 90 secondes, c'est cool. Et augmente les PV maximum, cool. Ça fonctionne avec le cœur que j'ai déjà avec l'autre objet. Donc j'ai encore plus de PV maximum. Donc là, en fait, le jeu me dit, s'il te plaît, fais un effort. Essaie de gagner, fais un truc. Je me sens vachement bien. Allez,
sur ce, on recommence. Mais c'est pas grave, j'ai un bouclier. Donc ça devrait le faire. Ok, j'ai perdu mon bouclier. Je suis en train de prendre des dégâts. De qui, je ne sais pas, mais je prends des dégâts. Tout va bien. J'ai repris ma vie. Ah, j'ai oublié que j'ai changé de pouvoir, c'est quoi? Ah oui, c'est le petit saut. On l'avait fait la semaine dernière. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Je voudrais des visages. Surtout que bah, le loup, apparemment, pour l'augmenter, c'est pas si cher, donc tout va bien. Donc on va essayer de faire ça, hein. Enfin, j'aimerais bien... J'aimerais bien un visage qui vaut le coup. Enfin, je dis pas que le loup est pas fort, c'est juste que... Je sais pas. Je sais pas ce que j'aime pas chez le loup. Les jaloux diront oui, c'est parce qu'il est pas pété et que c'est pour ça que tu veux pas le jouer. Mais bon, j'écoute pas les jaloux, donc... Ah oh ! Non merci. Je vais chercher une tête qui vaut le coup. Ouh, je vole. Je vole beaucoup, ouais. Beaucoup d'explosifs. C'est pas grave. Ah, le crâne de glace. On va le prendre. On va le prendre, mais on va faire comme ça. Toc. Et toc. Ouais, on va prendre le crâne de glace. C'est quoi le nouveau LT? Ah, c'est pas mal. Enfin, c'est mieux que le premier qu'on a eu, cela dit. Clic. Oui, c'est largement mieux. Oh! Il y a des trucs cachés! Oh non. Bon, ça va, c'était pas... Oui, bon, je me suis peut-être énervé pour rien. Mais c'est cool. Super, il a fallu que je tombe dedans, quoi. Mazout, ne pas se jeter dedans. Ben si, tous les jours. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas besoin de vie, donc ça c'est cool. Je vais peut-être prendre de l'or pour investir sur la suite. Et là, on a quoi? Spectre. Bon, on va le prendre. Hein. J'en ai pas, donc pour l'instant, autant le prendre. Ça pourra me faire une attaque en plus à mettre sur le bonhomme. Non. Ah si, Spectre, on avait eu ça. Allez, check, check, check. Non. Check. Combo de 3, voilà. Mais elle reste combien de temps, ma porte spectrale, là? Ok, elle vient de se barrer. Oh! Il suffit que je dise ça pour qu'elle s'en aille. Il fait quoi, lui, déjà? Ah oui, le croissant de lune qui fait très mal. Bon, pour l'instant, j'ai envie de dire so far so good. Hein. Bah, il est passé où le... Ah, c'est mon bouclier qui l'a arrêté. Mais ça passe dans le sol, mais c'est pénible. Non. Il en fait 4 ou pas là? Non, toujours 3. Il n'y avait pas un monde où il en faisait 4. Je sais plus. Et plip. Bon. Coucou Imra, pardon, j'avais pas vu, j'étais concentré sur mon boss, excuse-moi. Ah, j'en suis un peu. Comment tu vas? Comment tu vas, comment tu vas? Les os de la rapidité, les attaques critiques infligent un montant fixe de dégâts supplémentaires. Oh, Ford, je le veux. Bonjour madame, dis-moi que je peux augmenter mon truc. 30. Mais bordel. Je sais pas, bon. Eh ben on va essayer de choper 30 os. Ça va être dur, mais bon. Check, check. C'est pas grave, j'ai un bouclier là pour l'instant, donc tout va bien. Bon, je m'inquiète si... J'aime bien...
J'aime bien quand je regarde des streams que, je sais pas dire, que le streamer prenne la peine de répondre au minimum. Donc, je fais pareil, j'essaie d'être réactif. Mais bon, là, j'avoue, j'étais sur un boss, c'est pas évident de tout regarder, parce que j'aimerais quand même gagner. Ah oui, on avait déjà eu ça, mais... Comment on fait déjà? C'est une bonne occasion, je l'inspecte. C'est, oui, de l'or qui va pop jusqu'à ce que mort m'en suive, c'est ça? Mais c'est pas grave, j'ai les portes de l'enfer. Oh là là. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Pourquoi mes portes de l'enfer, elles font pas de dégâts? Oh, parce que je les ai foutues sur la seule truc qui était en hauteur. Bien joué, bravo. Ah, bravo, bravo, là. Ah, je suis très content. Oh là là. Oh là 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 là. Bonjour. Bon. Ah, calmez-vous. Oh non. C'est difficile. Hein. En vrai. C'est bon. J'ai fait ma porte sur le bon truc cette fois-ci. Juste à les esquiver et à tapoter un peu. Mais je vais mourir. J'espère qu'il y avait que deux vagues. Oh non. Parce que ça, techniquement, je sais pas ce que ça fait. Est-ce que c'est plus je reste en vie et plus ça augmente? Parce que techniquement, je peux casser. Il est tout stylé ce jeu, faudrait que je le fasse aussi. Ben, en vrai, il est dur. Il est très cool, c'est vrai, mais il est très dur. Ah, il y a eu un bruit. Oh, c'était ça. Oh non. Je l'achète. Oh, bordel. Bon. Le voile de la prêtresse lance au hasard un buff de 10 secondes toutes les 30 secondes. Augmente de 40% l'attaque physique et magique, diminue de 50% les dégâts subis. Ah, c'est les possibles trucs qui peut m'arriver. Oh, mon dieu. C'est quoi les détails? Accélère le rechargement de PV. Quoi? Le rechargement de PV? Lorsque le personnage se rend sur une autre carte, il récupère des PV perdus. Oh, merci. C'est le voile de la prêtresse. Et là, pour l'instant, j'ai de l'attaque. En plus, c'est ça. C'est ça que veut dire la madame. Mais c'est très fort. Enfin des objets utiles. Et je veux vivre, donc oui, je veux ça. Crunch, crunch. Oui. J'ai... Ils sont mis... Qu'est-ce que c'est que ça? La goule. Lance de crochet et corps par balle. Bon, on va le prendre. Alors d'abord, on va faire ça. Là, on se change de crâne. Et on prend celui-là. Oh, je suis immonde. Mais je suis le boucher dans Diablo. Je suis complètement le boucher de Diablo. Alors je cours très vite et j'attrape les gens avec mon crochet. Ah oui, je suis littéralement le boucher de Diablo. Eh bien écoute, Zouche. D'accord, soit. Ouais, je veux des os. Touk, 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 touk. Et là, si je dash, ouais, c'est dans le sol, très bien. Oh! Je suis le boucher de Diablo. Très très cool. Oula. Ah, hache de feu. Tu feras Ender Lilies ou tu l'as déjà fait en off? Eh ben, je l'ai pas fait. J'ai un ami qui m'a dit fais-le, il est très bien. Et je pensais le faire en attendant. Ben, s'ils sont... Oh mon dieu! Oh, je le veux! Oh là là! Alors attendez. Déjà, je change en ça. Je ramasse. Oh, je suis le génie. Je suis Prince Ali. Et c'est quoi LT? Eh bien, on va le prendre, hein. Oui, donnez-moi des os parce que je voudrais un génie de niveau 2. Il a une sacrée moustache, le type. Regardez-le. Zouche, 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 zouche. Et après, ouf. Il est très cool. C'est bien, on a plein de nouveaux masques aujourd'hui par rapport à lundi dernier. Je me suis trompé de bouton, bon c'est pas grave, cela dit. J'arrive et... Ya, 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 ya. Oh, il est rigolo le génie. J'aime bien. Je vais essayer de le faire évoluer. C'est quoi? Ça tombe bien parce que c'est pas ouf. Bon, techniquement on n'a pas vu l'araignée encore, si? Je sais même plus où on est. Non, j'ai pas vu la... Si, j'ai vu l'araignée. Je sais plus. On a vu l'araignée ou pas? Oui, on a vu l'araignée. Là, j'arrive au boss.
Ah. Il est très rigolo, le génie. Il a une sacrée moustache. Moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Hein. La moustache. Hein. Le reste... Pff. Les gens qui disent, ouais, mais il faut que ton personnage, il ait du style et tout. Non, moi, je veux que mon personnage ait une moustache ou une barbe. Ouais, je m'en fous. Cela dit, est-ce que je ne prendrai pas le boucher? Bon, on va prendre le boucher pour le moment. Je sais pas si je vais faire des dégâts à l'arbre en... Ah, attends, si je mets la porte sur une de ces... Attends, on va voir. Là, si je mets la porte là, ok, ça va lui faire des dégâts, on est d'accord. Mince, je voulais faire ça. Ok, ça lui fait pas tant de dégâts que ça. Bon, allez, on redevient le génie. Wick. Aïa. On esquive. J'arrive toujours pas à esquiver, tout va bien. Ok, j'ai esquivé, incroyable. Personne ne croit en moi. Et c'est normal. Je ne fais que des bêtises. Par contre, les dégâts, ils sont pas là. Hein. Oh la vache. Et mon voile de non, là, il veut pas m'aider. J'aurais voulu monter là-dessus avant. C'est pas... J'ai... Voilà. Fallait pas tomber dessus l'arbre, mais c'est pas grave. Non, je l'ai pas mis au bon endroit. Bon, c'est pas grave. Hop là. Allez, on disparaît, on apparaît. Hein. Allez, ok, deuxième phase. Hein. C'est là où je rigole pas. Hein. Ok. Zouche. Esquive. Ouf. Il fait de bons dégâts lui, mais le pauvre il est pas très... Si, il est fort, mais... J'ai mon shield, autant en profiter pour taper comme un taré. Là. Allez, le shield. Vas-y, le shield. Le shield. Oh oh. Oh là. Le shield. Ya. Le shield. Le shield, il m'a bien aidé. Je vais redevenir le génie. Génie, il est rigolo. Donnez-moi ouais, de la vie. Et qu'est-ce que c'est que ça? Des Naya, fleurs de glace. Utilisez quintessence pour que Naya fasse éclore des fleurs de glace qui infligent des dégâts magiques au fil du temps. Ça sera peut-être mieux que ce que j'ai là. Hein. Voyons voir. Ouais, fait des fleurs de glace et les fleurs de glace font des dégâts. Ouais, c'est bien. Ça met très longtemps à... Bon, mettre du temps à des pop tant que le bonhomme il le touche pas, j'imagine. Mais c'est pas grave. Bon, madame l'araignée, s'il vous plaît, je voudrais devenir génie de niveau 2. Oui. Donne-moi le génie numéro 2. Attention. Ouh, je suis le génie buffé. Ok, je peux devenir giga génie. Bon, j'espère que mes dégâts seront conséquents quand même. Ah, mais j'ai plus d'allonge, j'ai l'impression. Ok. Zouche. Bon, les dégâts sont pas encore là. Ah, sauf méga génie. Ok. Oh la vache! Ah! Voyons voir les fleurs de glace. Ce que ça donne. Oh! Non, là, il se passe des trucs pas nets, là. Ouais, bon, les dégâts sont vraiment pas là, mais... Oh. Je fais n'importe quoi. Bon, il est rigolo, ok. Mais alors, les dégâts, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Donc il faudrait des objets de dégâts. Mais c'est des dégâts physiques ou magiques? Attendez. Dégâts physiques. Oh. Attends, non. Lors d'un sprint, se téléporte à l'avant et crée simultanément une image miroir qui donne un coup de poing avant de disparaître. Mais je veux savoir... Ouais, dégâts physiques, j'ai l'impression qu'il... Bon, lui, c'est sûr, hein. Ah.
Ah, c'est un événement, pardon, j'avais même pas remarqué. Il y a un sphinx, c'est ça, ça va être l'énigme. J'inspecte. Celui qui convoite les trésors sacrés ne pourra échapper à la malédiction des ruines. Un chuchotement se fait entendre comme il essayait de me prévenir. Est-ce que j'ai un truc à faire avant? Là, il y a des cristaux. Bah, il y a trois cristaux, mais. Mais je veux bien l'objet. Avant de partir. Merde! Pardon, je me suis trompé de bouton. Bon, écoute, hein. On connaît pas, donc. Mais je le veux, comment on fait? Ah, ok. Fais juste sauter. sur lesquels j'atterris, bon, c'est gratuit. Enfin, pseudo-gratuit. Ok. Bon. Je me suis trompé en appuyant sur le bouton pour changer de personnage, cela dit, mais. Mais il a combien de vis, machin? Ouais, c'est très dur. Ok. Bon, ben, on le saura. Cette malédiction est difficile. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave, parce que de toute façon, je peux améliorer mon personnage. Et ça, c'est cool. Parce que je peux augmenter. Ça pique. Ouais, un petit peu. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, non, je me suis trompé de bouton, madame. Super, j'ai augmenté ça à la place. Bon. Je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave, tout va bien. Donne-moi une tête. Non, pas celle-là, je l'aime pas. Donne-moi une autre tête, s'il te plaît. Bon, je veux pas Kratos. Mais il vaut cher. Donne-moi un objet. L'attaque physique. Très bien. Eh bien, c'est parti pour l'attaque physique. Donc ça serait bien de tomber sur... Ah ben, une tête, cool. Sur une tête physique, mais une bonne tête physique. Le génie était rigolo, cela dit. Malheureusement, il manquait cruellement de dégâts, parce que je pense que je n'avais pas de... Je n'avais pas de truc pour... Putain. Tiens, prends ma tête. Bam. Coup de tête. Coup de tête. Tête. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est la plante du milieu, ok. Allez, un bon physique. Mais bordel. M'arrêtez de vouloir me donner ça. S'il vous plaît, c'est pas gentil. Coup de tête. Coup de tête. Au revoir, monsieur. Bah, c'est vraiment pas très cool pour vous, ça. En vrai, je vais où là? J'ai une idée. Coup de tête! Voilà. Coup de tête! Bonjour. Ah! Pardon. Coup de tête. Coup de tête! Il a perdu la tête. Un trésor. Bon, on va prendre un trésor vu qu'on peut pas avoir une tête qui vaut le coup. Oh là là. Bonjour. Coup de tête. C'est tellement pratique de tous les stuns quand on les attaque. Il y a des jeux qui diraient non. Enfin, tu vas me dire, sur Dead Cells, ça fait ça. Sur quel jeu tu les tapes et ils s'en foutent? Je sais plus. Oh, j'ai pas eu le dernier. Sur quel jeu de type rogue comme ça, quand on les tapait, ils s'en foutaient royalement? Je sais plus. Mais il y en a un qui... Pourquoi ma tête dit oui, il y en avait un et au final... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le bâton de rituel. Augmente de 50% son attaque magique. Waouh! Bon, on va le prendre, on sait jamais. Bon, ben j'ai un bon truc physique et un bon truc magique. Ok, ciao! Non, je vais pas me TP. Bon, vous êtes pénible. À faire vos nuages de fumée. Ou de pollen, je sais pas ce que c'est d'ailleurs pour un arbre. Ceci. Oh, super!
J'adore prendre des dégâts inutiles, vraiment ça me... Oh, wow, ça me fascine. Je suis fasciné. Ah, est-ce qu'il y a un truc secret? Mais pourquoi ils font des trucs comme ça? Moi je veux des secrets moi. Bonjour. Bonjour. Par contre, mon attaque magique de lancer de tête a fait deux fois plus de dégâts. Enfin, deux fois plus de dégâts, non. Elle fait 50% de dégâts en plus. Le mec qui veut pas calculer. Allez! Oh! On va le prendre pour taper plus fort avec, mais. Je suis très déçu. Et le... Oh, le bouclier squelette, c'est pire. Une quintessence, l'explosion de mana. Pour que le golem de mana provoque une explosion de mana. Qui inflige des mana, des dégâts magiques de mana, et projette les ennemis mana en l'air mana. On va peut-être prendre un objet. Diminue les dégâts subis de 30% lorsque les PV sont en dessous. C'est bien. Diminue de 15% les dégâts encaissés tout court. Augmente l'attaque magique pendant 3 secondes lorsque je suis touché. Bon, mini-boss et on verra. Je vais peut-être augmenter le loup, mais... Ah oui, c'est ça. Il est bien ce pouvoir du coup. Ne bouge pas, ok. Super, j'ai voulu sauter, je me suis trompé de bouton. Allez, check, check. Check, check. Bon. Check, 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 check. C'est Chinook, qui est niveau 2. Je comprends pas, le jeu parfois me fait taper des niveaux 2, parfois des niveaux 7. Leroy Jenkins. Check. Non, je crois que je peux annuler leur méga attaque en les tapant très fort. Mais c'est con à dire, mais j'ai pas envie de mourir, donc je le fais pas. Voilà. On se calme, monsieur, arrêtez. Mais, tu vas arrêter. Oui, ben c'est prévu, hein. Et on le refait. Encore une fois? Ah non, là c'est le roi. C'est magnifique. Ah! Ah! C'est bon. Il était facile. Alors, est-ce que. J'ai pas de bonne tête. Oh, mais j'ai le voile. Le voile de la prêtresse. Le voile de la prêtresse, c'est bien. Bon, on va augmenter le loup. J'ai pas trop le choix. Oui. Bah, tant pis, hein. Fais-moi évoluer le loup. Pour l'instant, j'ai trouvé que ça. Oh. Mais je voudrais des nouvelles têtes. Nouvelles têtes pour une nouvelle vie. Allez, ça c'est fait. Après, enfin. Son sort fait de bons dégâts. Enfin, le sort du loup, je veux dire. Là. Mon bouton activable, il fait. Il fait de bons dégâts, mais. Le problème, c'est que c'est. C'est long à recharger. Oh, mais c'est pas vrai, il veut pas me filer de tête le jeu. Enfin, il a voulu m'enfiler, mais des merdiques. Moi, je veux pas des merdiques. J'ai certains standards, moi, monsieur. Tout. Alors, lui, le pauvre. Alors, eux, je les comprends pas, par contre, comment ils se battent. Hein. Jamais compris. Aïe, je me suis trompé. Ok, c'est bon. Ok. Ah, ya. Non. Mais il est passé où, Jean-Yves, qui était là en plus? Il est en dessous? Non, il est là. Mais qu'est-ce que... Bon, ok. C'est pas grave, je cherche pas. Mais donnez-moi des têtes, Macarel. Oh, super, un repas de fleurs. Alors, augmente de 30% la vitesse d'attaque et le déplacement. Ok, je prends, parce que je sais qu'il y a le boss qui arrive. Augmente l'attaque physique de 35%. Oh ! Oui ? Le loup aura des dégâts. Oui. Ya. Yeah. Ah oui, il est un peu plus énervé. Ouais. Ah, mais ça fait du bien, ça, enfin des dégâts. Check. Ah oui, ça allait très vite. Oh, une nouvelle tête. J'espère qu'elle est pas magique. Hein. J'espère que c'est pas un truc qui va me plaire et qui est magique, parce que là, je crise. Enfin, après, j'ai un bon item pour...
Tapez magique. En fait, là, j'ai les deux, mais... J'ai deux très bons items, que ce soit pour taper en physique ou en magique. Oh, si on tombe sur le clown, vu qu'il fait les deux, mais je deviens increvable. Bon, si, je vais mourir, mais... Toujours plus de dégâts. Bah, il faut. Il faut. Les dégâts... Alors, les dégâts, c'est pas la vie dans ce jeu, c'est vrai, mais ça peut l'être dans certains. Imagine, bon, je suis jamais tombé dessus, mais je tombe sur vol de la vie en fonction des dégâts faits. Mais là, je suis immourable. Oh non, non, mais ça va très vite, là. Check, 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 check. Bon, ok. Là, j'ai pas trop à me plaindre, hein, niveau dégâts. C'est, j'ai plus à me plaindre, du moins. Donc, donnez-moi un crâne bien. Oh, putain, c'est pas... C'est... Je peux quand même essayer de viser un crâne. Check, 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 check. Après, mon loup, il est niveau 2. Est-ce que je le montrerai pas au niveau 3 avec 30 os? Oh, la moto! Go! Oh non, il me manque 3 os! Ah, la moto! La moto! Ah, la moto, très drôle. Pour le boss, là, petite moto. Ah, la moto. Allo moto même. Allez go. Ah la moto. Tout le monde voulait voir la moto. Bah elle est là, ça y est. C'est le retour de la moto. Tit-tit. Aïe, la moto, la moto. Bon, la moto c'est bien, ça fait de bons dégâts. Mais alors pour esquiver c'est un peu la merde. C'est quoi ça? Ah oui, c'est fort ça. La moto. La moto. J'aimerais bien me prendre appui. Ah, ça y est. Mais pourquoi il tombe tout seul? Et la Motorola. Oui. Exactement. Allez. Tiens, prends le feu, là. Ya, ya. Go la moto! Je vais te burn la tête, tu vas voir. Pif, paf, pif, pif. Ah mince, j'ai oublié d'esquiver le deuxième. Mais... Yes! La moto! Ah la moto. Ah, j'aurais bien voulu faire évoluer la moto. Je suis assez déçu. Cool, restant un PV tous les trois morts. Bon. C'est pas du vol de vie comme on l'a entendu tout à l'heure, mais... Ça fait son taf. Bon, c'est à trois près, quoi. À trois près, je devenais un méga motard. Je suis très très déçu. Aïe aïe aïe. C'est pas grave. On continue. De toute façon, on va le recroiser, je pense. Après le mi-boss. Après le mi-boss, on la retrouve. Voilà, c'est très drôle. Beaucoup de pertes de vie, cela dit, hein, à cause de la moto. Aïe. Bon. Donnez-moi des... Donnez-moi de bons objets. Oh non, pas elle. Allez. Les servantes, elles sont... un peu pénibles. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais calmez-vous. Vroom vroom. Salut. Ça va? Oh la vache. Oh, non, 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 pas les servantes. Le clair, voilà, merci. Ya, yeah. Ah, oh, c'est la reine des servantes. Enfin, la reine des servantes. C'est la servante en chef, on va dire ça comme ça. Madame est en charge. C'est... Mais elle en invoque d'autres. Oh, voilà, au moins on sera tranquille. C'est bon? Il reste 4 ennemis. Dont cette statue. Dans cette autre statue. Ah non, c'est même pas assez. En plus. Donc ça, c'est juste le niveau qui me dit non.
Mais mince, ils sont où les ennemis? Ah, d'accord. Une servante en chef. Sauf que mes flammes ont eu raison d'elle. Ne me donne pas une assiette dans la tronche. Petite ambiance Castlevania, carrément. Carrément, carrément. Mais la musique, malheureusement, elle me dit quelque chose. Du moins la première partie. Le bah, c'est du Final Fantasy. Mais lequel, je sais plus. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Le prisonnier. Mais c'est Dead Cells. C'est complètement Dead Cells. L'épée à deux mains et l'arbalète de givre. Écoutez, on va le tester. Ouais, c'est Dead Cells. C'est très rigolo qu'ils aient mis Dead Cells. Augmente l'attaque physique de 40%. Ah. L'attaque physique, tu me dis, c'est ça? Ah. Ah, mais j'ai un petit poignard. Je peux pas prendre les deux? Si. On va jouer Dead Cells un peu. Ok, ouais, d'accord. Ouais, ouais, bon, ben, zouche, zouche, zouche. Moi, je voulais des... Je crois que je voulais des dégâts. Ben, je crois que je les ai maintenant. C'est très drôle. Hé, je ramasse des âmes. À quoi elles me servent? Les cellules. Ok, faut que je lise mon perso un peu plus en chose, en détail. Oui, mais on le connaît, la brume. On monte les PV maximum, c'est très bien. Je suis très bien, là, pour l'instant. Alors, dis-moi tout. Lorsque vous utilisez des attaques normales, vous avez une chance de gagner des cellules. Lorsque 5 cellules se cumulent, vous obtenez un parchemin aléatoire qui fournit un buff. Brutalité augmente les attaques physiques. Ah, mais c'est complètement Dead Cells. Ils ont repris le même gameplay. C'est très, très cool. Ah, je peux avoir des têtes. Des têtes pour améliorer mes personnages, go. Aïe. C'était celui-là que je voulais. Zouche, 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 zouche. Super, je gagne des pouvoirs. Les pouvoirs, ils restent. Mais oui. Oh là, on se calme. Non, ils restent pas. Oh là, calmez-vous. C'est des buffs qui se cumulent. Ok. Bon, bah on va... On va essayer de jouer comme il faut, hein. Parce que ça peut être très fort. J'ai pas esquivé parce que je suis bête. Allez. C'est très très cool. Quel est ce... Ah, le boucher. Oui, bah je l'appelle le boucher parce que c'est littéralement le boucher. C'est tout. Donc m'embêtez pas avec ça. On sait tous que c'est le boucher de Diablo et c'est tout. Ya. Yeah. J'ai l'impression qu'il se passe des choses dans ce chambre. Voilà. Très 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 fort ce personnage, cela dit. Madame, arrêtez! Très très cool! Moi qui m'étais dit un jour, ben, ça serait cool que je refasse du Dead Cells, ben voilà. Je fais les deux. Je fais les deux. Et ne vous déplaise. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ça, le paladin noir. Alors, on change en moto et on va le tester. C'est quoi comme pouvoir? Ouais, zouch et... Ouais. De souvenir, il donne plein d'eau. Mince. Allez, rechange, merci. Et il file beaucoup d'os. Go! Bon, je vais améliorer Dead Cells. Go! On y va! Alors, eux, j'espère que je vais les fracasser. Je vais vous faire un burn dessus, vous allez voir. Nanananananan.
j'ai raté. C'est pas grave. Meurs en premier. Allez, ça c'est fait. J'ai raté. Elle fait ultra mal. C'est pas grave. Ah si, c'est grave. Boum. Elle m'a mis beaucoup de dégâts dans la tête, cela dit elle. Mais je suis vivant. Oh l'alchimiste, il était très rigolo. Enfin une quintessence, eh ben dis donc. C'est quoi ça? Augmente l'attaque physique pour chaque compétence en rechargement. Les deux sont bien. Mais j'ai pas de quintessence, donc go. Et on va acheter... Oh, bonjour madame. Oui, 100. On va améliorer le motard. Hein. Oui. Voyons voir combien, comment le motard va se battre. C'est Hellrider. Ah, et je fais des petites flammes derrière moi. Attends, est-ce qu'elles font des dégâts? Oui. Et elles durent longtemps. Bon, elles durent longtemps. Pas tant que ça, mais... Ah, les deux persos sont bien, là. Hein. C'est quoi mon bouton colosse? Ah oui, ça va. On l'avait déjà eu, c'est pas mal. Ok. Et le clerc, il les a pas soignés, bah tant mieux, non? Ya! Ah l'archer, niveau 2, il est pénible. Bon. Je sais pas si je vais pouvoir faire les deux. Les deux nanas comme il faut, cela dit. Hein. Il me faut ça et vite. C'est pour Eugène la vie. J'ai pas vu. Tu me les. Hein? Bon. J'avais pas vu le piège, super. Toi c'est fait. Tu es le clerc. Avant qu'il soigne ses potes. Allez, plonk. Parfois faut savoir dire stop. Je leur ai dit stop. Dire non à la capitaine des servantes. Ouais. Tu veux pas marcher dans le piège toi? Non, ça t'intéresse pas. T'es pénible. Oh. Mince, c'était sûr. Niveau vie, ça se maintient au même niveau, ce qui est déjà pas mal en soi, mais... Il faudrait vraiment... choper de quoi me soigner. Oh. Allez, il faut absolument prendre ça, peu importe ce qu'il y a en face. Hein. Ah! Bah ça va être pratique, je vais avoir des dégâts en plus pour taper le... Le boss qui arrive. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? L'échange réduit les ennemis dans une large zone, pardon... Ondine, esprit de l'eau. Go, Ondine. C'est parti, Ondine. Merde. Oui, je suis full en objet. Bon, ça serait bien d'avoir des os, quoi. Même si bon... Je voulais pas faire ça, mais c'était pas mal. Ça et on va là-haut. J'ai oublié que quand j'attaquais en l'air, je faisais un piqué. Ouh.
Salut. T'es mort ? Ok. C'est quoi comme crâne ? Ah, c'est dommage, j'ai bien le chasseur. Eh ben écoute, on reprend des crânes, hein. Boum. Me fatigue les archers. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, la gargouille, c'est non. Et je peux reprendre des têtes, go. Il y a un truc qui l'a soigné. Il est où? Il est tout là-haut. Toi. Hop. Ok. Bip. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, le crâne d'eau. Bon, c'était mignon, on va dire, le crâne d'eau. Bon, c'est parti. Là, on va mourir. On va mourir vraiment très fort. Mais la dernière fois, je leur ai mis beaucoup de dégâts. Hein, donc j'espère que cette fois-ci, ça va le faire aussi. Oui, je sais. Allez, on y croit. J'aimerais y croire. J'aimerais vraiment y croire. Ah, là, très très dur. Allez, mourez. Ah, je l'ai pas vu dodge. Ah, je l'ai mis mi-vie alors. Ah ah ah. Moi aussi je peux dasher et faire des bêtises. Blonk. Non, arrêtez. Arrêtez de m'embêter. Tiens. Tiens. Prends le point de la justice. Il y a un truc à bugger ou... Ah non, c'est là. Allez. C'est la première fois que je leur fais aussi mal, cela dit. Check, check, check. Allez. Mourez. Check. Mince, j'ai loupé. Ah ah! Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle va devenir folle. Ah, super. C'est tous les trucs qu'elle va faire vont devenir ultra pénibles. Au moins, j'ai mon bouclier. J'ai raté ma flèche. Je suis ravi. Elle est bientôt morte? Cela dit. Arrête. Allez. Oh là là. Allez, meurs. Oh non. Non mais non mais non. Je suis trompé. Non. Elles sont très très dures. Ah, j'étais presque. J'ai eu la peur de gagner, voilà. Ça m'arrive tout le temps. Oh. C'est toujours 700, hein. On prend les PV max, hein. Ah, j'ai eu la peur de gagner. T'es qui, toi? Le piqué. Oh, le piqué, il est rigolo. Non, ça sent bon.
Ah, oh, fait suer, j'avais un stuff de fou furieux. Je suis très déçu de moi. Zouzouzouzouzouche. Bon. Ah, je suis très très déçu. Ta. Au revoir. Je suis ultra déçu même. Ok, super. Qu'est-ce que j'ai? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? La momie. Go, je vais être une momie. Mais j'ai une momie, c'est une momie avec un pistolet. Et qui envoie ça. Nani. Ok. Pourquoi pas? Bon, on va voir autre chose aussi. Hein. Bon, c'est un peu pratique, mais ça manque de. Ça manque de patates. Hein. Ouais, ça manque un petit peu de patates. Mais c'est rigolo. Ah oui, donne-moi la vitesse d'attaque, voir. Que je rigole un petit coup. Genre bip 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 bip. Bon, c'est rigolo la momie. Ça arrête pas les ennemis. Voilà le problème. Enfin si, mais pas tous. Juste celui qui est devant toi. Non, pas ça. On va prendre un trésor. Le trésor de la momie. Bientôt sur vos écrans. Ça manque de lance-roquettes. Mais en vrai, je pense que vu qu'il y a des crânes qui sont très particuliers, il peut y avoir, je pense, à un moment donné, un truc rigolo pour... Bon, ça m'énerve. C'était rigolo pendant 5 minutes. La momie. Et j'ai droit, qu'est-ce que c'est que ça? La boîte du prince augmente les PV maximum de 15 et cet objet gagne une inscription aléatoire. Qu'est-ce qu'ils entendent par inscription aléatoire? Sur un coup critique, marque la cible pendant 5 secondes, les dégâts sont augmentés, c'est cool. Et les PV max, très bien. Bon. Une inscription aléatoire? Qu'est-ce que c'est une inscription aléatoire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, bon, je sais pas. Je ne sais pas. C'est pas grave. Pif, paf, pif. Oh! Mais ça va pas te faire des trucs pareils, monsieur. Mais j'en peux plus la musique de base, donc. Je me dis, là, peut-être que la chanter va m'aider à la supporter. Pas du tout. Aïe! Allez, on va au marché. J'ai pas trop besoin de vie, je dirais. Je peux avoir le boucher. Non. Une bulle de vase. On va prendre ça. Go, le mini-boss. Je vais t'envoyer de la vase. Oh non, elle fait que ce heal, elle est insupportable. Ah non, c'est pas ça du tout que je voulais faire, mais bon, soit. Tiens, prends ma tête. Tiens, prends la base. Oh, je suis un slime. Et toi, à quoi tu joues? Mon dieu, le slime, c'est pas ouf. Elle est trop chiante. Mais je suis un slime. C'était nul. Mais elle fait que ce heal. Arrête d'être pénible. Plus. Arrête de te heal. Mince.
revenir dedans, c'est pas... c'est pas bien. Arrête de te heal. Tu me fatigues. Et le slime, c'est nul. J'ai acheté ça à une... bon, pas une fortune, mais... c'est pénible d'avoir acheté ça alors que c'était ça pue. Aïe, aïe. Super, encore un truc qui pue. Et frites. C'est comme Ifrit, mais en... augmente de 40%. Pff, c'est pas bien ça. Allez, au revoir, le slime. Au revoir, Caroline. Comme je te l'ai dit, je vais t'aider à récupérer les pouvoirs du détenteur de ce crâne. Cette tête t'appartient à présent, tu n'as jamais été aussi puissant. Si tu ne cherches pas un chapeau de fragment d'eau, je te suggère de m'apporter une autre tête. D'accord, je peux pas augmenter mon pouvoir de base. Bon, d'un côté, je le pensais, mais... hop là. Ok. Oh, de la régène. Merci. Ah, ah, ah. Bim bam boum bam bam boum bam. Ça, ça dégage, ça m'a gonflé. Ah, un crâne. Oh, le monsieur de l'eau. Ouais, à la place de ça, pour le moment. Il est pas mauvais, le monsieur de l'eau, c'est juste que bon, on a vu un peu mieux, quoi. Ah, la vague est sympa, mais... ah non, il est pas nul, le monsieur de l'eau, c'est juste que bon... l'OM met trop de temps à se charger, quoi. Vu que ça dépend du dégât que tu fais sur les ennemis... genre là, oui, il est poussé par la vague, mais... il est emporté par la houle. Ah, le Minotaur. Bah, le Minotaur, c'était pas ouf non plus. Eh, mais filez-moi un clown, là, un truc sympa. Si vous... oh. Oh non. C'est Splinter Cell. Et c'est un truc très très fort. Bon, on va falloir se... attends, voyons voir, Ifrit. En fait, Ifrit, c'est comme la nana avec les roses de glace, sauf que... ouais, bon. Oui, je vais t'aider. On refait du Splinter Cell, go. Clic. C'est parti. M'a pas vu, c'est tout. Mais il m'a perdu ou il m'a pas perdu? C'est moqué de moi. Ah! J'essaye de pas me prendre l'autre en dessous, mais tant pis. Va falloir que je fasse gaffe. J'ai perdu plus de la moitié de ma vie. Je suis content. Hop. Mais c'est pénible, comment je fais quand il y a des gardes là? J'en sens déconner. Je peux pas le détruire, le machin. Si. Sans déconner, bon. Ah, c'est vrai qu'ils suivent. Non, reviens là. Ouais. En fait, j'ai juste à faire un, deux, check. 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 Ok. Donc je peux me battre contre ces satanés trucs. Mais ça va être très dur, là. Ouais, ok. Bon, c'est mort, hein. Je préfère vous le dire. Je pensais pas qu'il me verrait celui du haut, donc... tant pis. Je pensais pas qu'il me verrait celui du haut, quand j'ai sauté.
C'est pas grave. On reprend de suite. Ouais, on va prendre de l'attaque physique. Ah! Allez. Donne-moi un... Super, ça c'est pas mal. Donne-moi un autre. Ça j'aime pas. Donc ça dégage. Et donne-moi un objet. Les critiques. Très bien. Zouche. Bon, ça commence à être dur là aujourd'hui. Il n'arrive pas à grand chose. Non, il est pas mal le loup, mais je sais pas, il manque de punch. Après, c'est un des premiers masques, donc oui, c'est normal. Mais... Enfin, des masques de crâne, plutôt. Les masques, c'est dans un autre jeu qui s'appelle The Legend of Zelda. Ah, je pourrais pas avoir un truc sympa, moi. Hein. Même l'alchimiste, filez-le moi. Il était rigolo. Oula. Non, franchement, l'alchimiste était rigolo au final, rendez-le moi. Ah, vous êtes pénibles les deux là. Hein. Oui, c'est toi qui me fatigue. Déjà, un, je suis même pas un être humain, je vois pas pourquoi tu me fracasses. Comment ? Check, 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 check. Ah, une nouvelle tête. Attaque physique, oui, oui, ça se voit. S'il te plaît, file-moi un truc bien. Mais bordel! Mais vous allez me donner une tête qui vaut le coup? Ah, oh, c'est pénible. Bon bah ça, hein, on prend de l'armure, qu'est-ce que tu veux? En plus, il n'y a même pas de quintessence, il n'y a rien. Ah! Un super Ninja Man en plus. Oh là là, mais... Je peux rien esquiver, super. Mais... Là, il a pris des dégâts, tant mieux. Tu sautes, hein ? Arrêtez de vous soigner! Ils sont pénibles à se soigner! Et ils continuent. Allez, là on essaie d'esquiver au maximum. Ok. Je vais pas y arriver. Ah oh non, je pense que je vais peut-être pas y arriver. On va prendre. Ouf. Ouais, bon ben, bah, j'y crois un peu moins là. Ouh. Allez, meurs. Oh non! Oh, je pense avoir cette EFCO. Bon, c'est pas grave, de toute façon, elle était pas très bien, cette... Oui, oui, oui. Non, pas la momie, c'est bon. Hein. Je me suis fait avoir une fois, pas deux, merci. Oh! Ok, on va tester la gargouille. C'est bizarre. Ouais. Ok. Ah, c'est ça qu'il voulait dire dans... Ok. Et après, je peux devenir aussi dur qu'une pierre et tomber... Genre, bonk. D'accord. Bon, on va voir. Ah, super. Est-ce qu'on se refait avoir?
Mais c'est un os infini. On va voir. Mais pour l'instant, ça va, j'ai envie de dire. Allez, je peux le faire. Au pire, je fais ça. Hein. Ouais, d'accord, ça dure pas 3 ans. Ouais! Bon, j'ai un objet pété. Et maintenant? Bon, on va chercher une nouvelle tête. Hein. Ouais, il tape fort, hein, la gargouille. Hein. Plip, 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 plip. Allez. Oh, le ninja. Oh mon dieu, il est joli. Il est rigolo. Genre, check, check, check. Aïe. De toute façon, ses pouvoirs. De la téléportation. Et un shuriken fuma. Oh mon dieu. Aïe, ninja. Aïe. Ok. Il est un peu énervé. Ok, ça me va. Aïe, ok, il est un peu vénère, oui. Ça me va. Je veux un truc vénère, moi. En plus, avec de l'attaque physique, très bien. J'ai plus qu'à me soigner. Au revoir. Et je peux pas prendre d'objet. Oh non! Dommage, c'est quoi? Le chevalier des ombres. Bon, c'était légendaire, c'est dommage. Bon, on va voir si le... Si le mid-boss va me les briser, là. Aïe, 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 aïe. Check, check, check. Check, 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 check. Check, 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 check. Prends mon shuriken qui revient, aïe, aïe, aïe. Oh, je suis vraiment un sacré ninja. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe. Oh la vache, ce que je lui mets. Zouche. Aïe. 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 Zouche. Tu ne mourras jamais. Parce que... Zouche. Bon ok, le ninja il est très drôle. Je sais pas ce que ça va donner sur les autres monstres, mais il est très drôle. C'est quoi? Le bombardier squelette. Un nain. Quoi? Une tourelle de technomagie. La tourelle tire sur les ennemis. Lors d'un double saut, largue une bombe qui inflige des dégâts physiques. Non. On va prendre la quintessence. Du nain. Bon, j'imagine que là il faut beaucoup pour augmenter le ninja, pas vrai? Ah voilà, c'est ça. C'est niveau 100. Enfin, niveau 100. C'est 100 haut. Os. Aïe, check, check. Après... Je suis un ninja. Vous ne pouvez pas me tester. Zouche. Check, 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 check. C'est très cool. J'ai mon petit couteau, j'ai mes petites dagues, là, on y va. Bon, vas-y, monte la tourelle, là. Oh là. Je suis Torbjorn. Et toi, à quoi tu joues? À Torbjorn. Ça va, c'est rigolo. En plus, le CD est cool de... Zouch. Zouch. Le ninja est fort, ouais. Bah tiens, prends ça, hein, si tu veux pas. Aïe. Zouche, zouche. Je me téléporte partout. Ah, déjà le marché. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est un plat douteux, oui. On me redonne le bombardier. L'attaque physique. Ouf. Et le taux de critique? Ouais, ben. Ah non, c'est bien ça aussi. Oh non. Bon, on va prendre ça. Ah, mais là. Oh, je peux avoir des os. Go. Zouche, zouche. Ah, mais sors de ce poison! Bon. Ça ne se passe pas comme je veux, là. J'ai perdu trop de vie. Oh la vache! Ça m'apprendra à faire n'importe quoi. Aïe! Tchik, 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 tchik. Il est où le mage? Mais il est où? Mais il se tépait partout lui aussi! Vilain! Oh, il va y avoir des os, encore des os! Non, pas l'arbre! Pas l'arbre, c'est bon. J'ai dit non à l'arbre. Aïe. Bonjour, ça va toi? Oh! Mais! Mais! Bon, ok. Tu m'as lâché de la vie donc t'avais le droit d'être pénible. Aïe. Tchik, 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 tchik. Zouche. Le shuriken est fort. Ah, c'est dommage parce que je t'aime bien le chasseur, mais là, j'ai trouvé mieux. Par contre, la tourelle de Torbjorn, je sais pas où c'est que je vais la poser. Hein. On va voir. Je suis l'élagueur de haie, avec mes petites dagues là. Tchik, 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 tchik. Torbjorn! Allez! Allez! Aïe! Ouais, bon, ma tourelle elle est un peu inutile, super. Ouais, la tourelle est pas folle. Mais je suis trompé de bouton, bon, c'est pas grave. Si, c'est grave. Mais je peux faire du feu. Bon. Super, la tourelle n'est même pas dans le bon sens. On refait ça? Ça me va. J'arrive pas à esquiver. Oh merde! Bon, vous connaissez la suite. Ok. J'ai perdu toute ma vie. Bon, il va m'en redonner un petit peu, mais j'en ai perdu beaucoup trop. C'est pas bien. Qu'est-ce que c'est que ça? La perle magique des ténèbres. Lors d'un échange, étourdit les ennemis proches. Mais j'en fais pas. Pff. Réduit les dégâts reçus de 10%. Ok, go. Mais mince. C'est pas fou comme objet. Aïe. Ah, bon. Voyons contre eux ce que ça va donner. Oh, j'avais pas vu le piège. Je l'ai pas vu deux fois. Super. Bah ça va, les dégâts sont décents. M'a dashé partout, je pourrais jamais toucher la... les deux nanas, hein, cela dit. Super, j'ai dashé dans la seule boule de... Mais je revais dedans, hein. Bah en fait, je pense que j'ai perdu. Hein. Juste parce que je fais n'importe quoi. Oui, mais... Oui, oui. Non, 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 oui, c'est oui. Oui. C'est quoi? Super, du critique. Ah! Je dis pas que c'est mal.
Je dis pas que c'est mal, mais... Ouais, j'ai un gros problème, hein, c'est que je vais perdre. Hein. Ah, il me reste 8 points de vie, quoi. C'est pas ça. C'était pas ça. C'était la tourelle que je voulais. Ah, les boutons, c'est pas ça. Hein. Bon, je vous propose que je fasse une pause, là. je vais faire mes achats. Je lance une pause. Je vais boire un verre d'eau, me lever et me reconcentrer. Parce que je n'arrive à rien aujourd'hui. Bon, c'est pas très grave, en vrai. Mais j'ai pas l'impression d'avancer. Donc je vous mets une pause et je reviens. À toute. Coucou, c'est Romoi. Bon. On est reparti. Et on va essayer de gagner. Ça serait bien. Non, je voudrais un crâne, s'il te plaît. Merci. On va essayer de gagner. Ça serait bien de gagner quand même. Bon, de l'attaque physique. J'arrive pas à... Oui, je voudrais ça. Et du critique, bon. Mais en vrai, c'est tout bête, mais... Tout va bien. Sauf que, ben... J'arrive pas à faire fonctionner mes trucs. Alors qu'au final, tout va bien. Si j'ai des dégâts physiques plutôt bons, j'ai du critique, enfin... Sur le papier, tout va bien. C'est juste moi qui suis pas bon, là... Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a, mais... Ça veut pas. Tu vas me dire, il y a eu des après-midi sur Neon Abyss, c'était le bordel. Hein. Donc on verra. Allez, on s'en va. Et on va essayer de prendre trésor, un peu de tout. Mais encore une fois, je le redis, mais un bon crâne, ça peut faire la diff. Après, j'ai eu des crânes très bons, c'est pas le problème. Hein. Le problème, c'est bête à dire, c'est que j'ai été mais très très mauvais. Hein. Ça a été compliqué. Allez, de l'attaque magique en plus. Hein, c'est... Bon, après, c'est... J'ai envie de dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est en jouant qu'on joue. Et c'est pas en jouant qu'on est meilleur. C'est le truc. C'est que si encore j'étais meilleur, mais... Ça serait bien. Je le suppose. Allez, un beau crâne. Ça a l'air d'être un truc très fort, il y a une épée avec une couronne. Ouais, c'est un... Oui, c'est très bien, oui. Mon dieu. Oui. Ça fait quoi, ça? Ah, ok. Ah, ok. Bon, ok, bah si là je perds, c'est que bah, je suis rendu... Une dos basse, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Comment je charge mon énergie verte à part en me faisant un méno d'olimé, là? Ah, d'accord. C'est quelque chose que je peux relâcher. Bon, hein, j'ai un truc complètement pété. J'aimerais y arriver. Si j'y arrive pas, c'est que c'est vraiment moi le problème. On sait tous que c'est mon problème. Un PV toutes les 3 morts. Ah, de la vitesse, de l'attaque magique, hein. Désolé, mais... C'est important, hein. Voilà, le pauvre, normalement, il va prendre très cher. Ah, mais je peux commencer à faire ça. Ah, mais je peux bouger et tout. Meurs. Ouais, bon, il a pris un peu cher, le bonhomme. Et on peut le refaire. Ouais, ouais, vas-y, moi aussi, charge mon truc. Adieu. Peut-être pas adieu, mais... Il a pris très cher. Ouais, bon, le grand sorcier, faut pas l'emmerder, hein.
Une quintessence, la harpie. Ouf, on avait dit que c'était pas ouf ça. La harpie, j'avais pas aimé. Bon, j'imagine qu'il faut 500 pour améliorer ça. 100 juste. Enfin, juste. Pour un crâne comme ça. Bon. Blip, blip. Aïe. Ouais, c'est très très fort. Mais je peux juste faire un rayon laser et ça suffit quoi. Ok, là par contre c'était un peu. Ah, c'est parce qu'ils avaient un bouclier. T'as pas? Ouais, c'est. Ouais. Ah, il est très très fort le petit là. Il brûle et tout. Fin... Ouais. Bah, c'est bizarre, mais oui, là pour l'instant je le sens bien, mais. Rien que l'Ent, le pauvre, il. Je vais dedans. Rien que l'Ent, le pauvre, ben, je pense qu'il va prendre très cher. Hein, genre... Il se passe des trucs. Hein. Aïe, aïe, aïe. Donnez-moi des os. Ouais, même pour tuer toute une ligne, il est très 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 fort. Bon, écoutez, je... Si je perds là, contre du moins les deux nanas... Ah mais non, les deux nanas, ça va être dur, parce que ben, ils tapent pas vite. Allez, augmente l'attaque magique, vas-y. Oh non, il y a Monsieur Clown. Oh non, 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 non. Attendez. Ah, il y a Monsieur Clown. Hein. Augmente l'attaque physique de 6% pour chaque ennemi proche. Non. Ah, il y a Monsieur Clown. Hein. Peut-être Monsieur Clown pour. Pour quand il sera niveau 2. Ouais. Peut-être Monsieur Clown quand il sera niveau 2. Ah, mais Monsieur Clown il fait shake-shake. Ouais, mais il est vraiment fort lui, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Comme si j'allais m'en plaindre. Je vais pas du tout m'en plaindre, mais oui, il est très fort, monsieur. Madame Zozoa, vous êtes forte. Bon, continue. Ah. Combat de magie. J'ai gagné le combat de la magie. Taimra qui voulait du lance-roquette, c'est bête à dire, mais les sorts du mage, ils sont plutôt forts quand même. Allez, on va rebattre l'Ent. Pour la 48e fois. Ben en vrai, là, ça va aller vite. Non? J'espère. Ça serait bien. J'ai fait n'importe quoi. J'ai refait n'importe quoi. Ouais, bon, c'est... C'est vraiment n'importe quoi. Bip, 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 bip. Ah, maintenant je vais charger ça là. Et hop. Au revoir, monsieur. C'est allé un peu vite, c'est vrai. C'est vrai que, bon... L'un dans l'autre, c'est allé un peu vite. Mais en même temps, j'ai tellement d'améliorations d'attaque magique. Oh là là, vas-y, oui. Aïe, aïe, aïe.
Donc oui, ça va, ouais, ça va, ouais, ça va vite, ouais. Je vais juste regarder combien ça coûte d'augmenter petit clown. 30, ok. J'aimerais bien un demi pour tester les là. Ouais, parce que techniquement il faut aussi de l'attaque magique, mais bon. Ouais, c'est pas ouf. Autant. Autant y aller avec ça, ouais. Ouais, c'est. Ouais. C'est très très ouais. On va essayer de choper des os, mais j'en ai que 20. Oula! Ben en fait, je m'en fous, voilà. Voilà, allez-y, popez tous là. Bonjour, voilà. On le refait? Bon, d'accord, on va de l'autre côté. On refait la bouboule et voilà, on attend. Allez-y, plep, 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 plep. Ah, vous voulez un laser? Bon, ben voilà, un laser. Ouais, c'est un peu. Ouais. C'est un peu n'importe quoi. Faut le dire. Faut le dire, il est fort. Ça, c'est pas faux. Donc, on supprime. On refait la petite boule, hein, oui. Et on avance, hein. On a juste avancé avec une boule tranquillement. Un petit laser là, voilà, il y avait trop de gens. Ils étaient embêtants, donc on faisait ça. Une petite boule, ouais, voilà. Mince. Je sais qu'il y avait un ennemi là-bas. Bon, mais déjà, on fait une petite boule là, voilà. Non, on l'avait pas tué. Je suis encore vivant. Ah. Je sais qu'il y avait un peu de vie en dessous. Hop. Allez, on se bouge. Zwoosh, pardon, piou piou piou. Oui. On est plus sur du piou 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 que sur du zwoosh, oui. Mais alors, bien comme il faut. Hein. Sur la méga boule. Piou 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 piou. Ouais, c'est. Ouais. C'est encore plus fort que l'alchimiste. Et Dieu sait que l'alchimiste était balèze. Hein. Allez, on va au marché, là. On va faire nos petites emplettes. Ça vient d'avoir une quintessence, c'est quoi? Troll, férocité. Utilisez la quintessence pour que toutes vos attaques deviennent des coups critiques pendant 5 secondes. C'est fort. Mais qu'est-ce qu'on a? L'ondine, qui est forte. Ça, j'ai pas envie. Elle augmente les taux de critique. Et l'eau, sympa la moustache blanche du personnage. Ah, je crois que c'est ses dents. Je crois que c'est les dents du bas du crâne. Regarde, là, il y a les mêmes. C'est malheureusement pas la barbe. Je suis très déçu. Enfin, la moustache. Je suis déçu autant que toi, vraiment. Bon, on va prendre ça et on va voir. Mais ouais, c'est piou 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 piou. Si j'esquive les boules de feu, c'est mieux, cela dit. Ouais, c'est pas très. C'est pas, oui. Oh non! Elles ont même pas le temps de pop! Bon, c'est pas grave, hein, je vais pas me plaindre. Aïe! Mais il me fait penser à. Je vais dire une grosse connerie, mais mon personnage il me fait beaucoup penser à Kel'Thuzad dans World of Warcraft. Je sais pas pourquoi, il me fait penser à Kel'Thuzad. Voilà. Dans le design. Pas dans les attaques. Mais ouais, on dirait vraiment qu'elle tue ça. Ah, saleté de glace. Maudite flamme. Un peu.
C'est dommage, Jake, t'as raté un crâne tout à l'heure. Le crâne, c'était Dead Cells, littéralement. Si j'ai joué le personnage de Dead Cells. C'était très très cool. Ah, attends, on va charger. On va charger. Et boum. Ça va les filles, on a mal. Alors toi c'est non. Toi aussi ça va être non. Voilà. Et il est un peu fort ce personnage, à cela dit. On veut quoi? L'attaque magique. Oh la vache. Ah mais non. Combien j'ai d'objets? Eh oui, il va falloir que je jette quelque chose. Mais c'est que quand je suis touché. Bon. Et cela dit, j'ai peur que les... J'ai peur que les deux nanas, je puisse pas les toucher comme il faut. Donc je vais prendre des os en cas pour... Voilà, exactement pour elle, pour augmenter le clown. Parce que j'ai peur que je ne puisse pas toucher le... Oui, c'était un peu rapide, oui. Elles sont mortes très vite. Oh, j'ai une roue. C'est quoi? Ah ouais, d'accord. Les dégâts sont bons, mais... J'ai peur que ça passe pas sur le boss. Bon, attends, on va tester au moins sur les... Ouais, c'est déjà... Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qui sera le mieux pour les... Pour les deux filles. Enfin, les... Les deux pètes noisettes, si on m'autorise. j'aimerais bien avoir ça. Mais je l'échange contre quoi? Non, les PV, c'est trop fort. Ouais, je vais peut-être enlever ça, ouais. Parce qu'il est fort aussi le... Avec le pouvoir d'Ondine... Il est loin d'être nul aussi. Ouais, bon. Allez, hop. Voilà. Ah, j'ai pas fait dans le bon sens. C'est dommage. On va taper l'éclair. Ouais, je sais pas si le clown ou... Moi, je vais l'appeler le nécro, mais je crois que c'est le grand sorcier. Je sais pas lequel des deux sera le mieux pour les nanas. Ah, aïe aïe aïe. Bon, surtout pas lui, hein. Ouais, parce que c'est maintenant. Oh, des onigiri. Une pyramide d'onigiri. Après, j'ai beaucoup d'argent, donc je vais me soigner. Oh, le génie. Dommage. Il était très drôle, le génie. Impulsion. Augmente la distance du sprint et inflige des dégâts magiques aux ennemis au point de départ. Non. J'avais la foudre. Ah oui, ça, c'est les coups critiques. Ok. On va peut-être le garder. Collier de mage. Lors de l'utilisation d'une compétence, crée un orbe de feu. L'orbe de feu lance une boule de feu sur l'ennemi le plus proche et inflige des dégâts magiques. Donne 20% de chance de congeler quand je leur atterris dessus. Et lors d'un sprint. Parce que si je prends ça, je remplace quoi? Attaque physique. Et on part sur un... Ouais, allez. On va partir sur le type en... On va partir en full magie, hein. C'est bête à dire, mais il est vraiment très très fort, le machin est vraiment très fort. J'ai juste avancé avec mon orbe devant moi, et puis si elle y en a plus, bah, je peux la refaire de suite derrière. C'est bête à dire, mais là, c'est pas très difficile. Aïe aïe aïe. Ok, j'ai rien dit. J'ai des passifs de partout qui pètent, enfin... C'est pas dur. Mais c'est pas grave, ça fait du bien. Moi qui en ai sué pendant 2 heures au début... Hein... Au
début du stream. Quelle galère! Donc ouais, ça fait du bien d'être un peu pété. Ouais. Non merci pour l'alchimiste. Pourtant, Dieu sait qu'il nous a servi. Mais là, lui, il est... Ah, le petit, là, il est un peu énervé. Ouais. Ah, je le touche pas. Ok. Juste par ma présence, il est décédé. Ouais, c'est très très fort. Je me plains pas. J'espère juste pouvoir tuer les deux pètes noix, quoi. C'est tout ce qui me... C'est tout ce qui m'intéresse, là. Arriver au moins à faire le deuxième boss. Le reste, bon, ben, on verra. Aïe. Et ils cognent, hein, quand même, ces gardes. Ouais, j'espère au moins y arriver. Après, je peux avoir les coups critiques tout le temps, mais... Faut que ça soit là, quoi. Enfin, faut que ça soit... Faut que les deux soient à côté de moi. Ah, je savais qu'il allait tirer, mais je l'ai pas esquivé. Bon, bah, y a plus personne, tant pis. C'est que cette attaque a fait très très mal, mais... Oh, je me suis trompé. Bonsoir. Ouf. Bah, j'ai fait un peu n'importe quoi avec lui. Hein. On va chercher la vie. Hein. Je suis un peu bête parfois, mais c'est pas grave. J'arrive. Plop, plop, plop. Ah! Ok. Go. Ok, bon. Bah maintenant, faut prier pour moi. Merci. S'il vous plaît, priez pour moi, parce que ça va être très très dur. Ah, c'est dommage, parce qu'avec Dead Cells, j'ai failli les tuer. Quoi. Allez, on est parti. Okay. Mais pourquoi? Bah, je suis déjà en galère, hein, tout va bien. Moi, non, je les tuerai jamais. Hein. Ouais, quoique. Ah, il a fait beaucoup trop de dégâts. J'avais pas vu que la deuxième était là. Ok. Ah. Mais... Ok. Donc l'autre, elle va s'énerver. Et là, bah, c'est la galère. Là, c'est la grosse galère. Hein. C'est fini. On s'amuse plus. Ça me rappelle vraiment mes mauvaises heures sur... sur comment ça s'appelle? Sur Hollow Knight, hein, ce perso. Genre, coucou, le monsieur de la troupe écarlate, je sais pas quoi, là. Oh, mais comment tu veux que je fasse? Meurs! J'ai 4 points de vie, je vais mourir. Mais bordel!
La Grim Troop, merci. Mais il est trop... Mais c'est trop dur. J'en peux plus de ce boss. Ah, j'aurais peut-être dû passer sur le clown. Tant pis. Le clown aurait pu toucher plus de dagues, j'ai l'impression. Ah, c'est pas grave. Mais il est dur. Qu'est-ce que je fasse, moi aussi? Il est trop difficile. On va augmenter l'attaque physique. Il est trop difficile. Kratos, c'est bien en début, parce que je peux avoir plein de crânes. Mais la momie, oh, c'est nul. Cela dit, j'ai plein d'os. Donc déjà, je peux aller du critique. Et bon, un dash en plus, c'est pas ouf, mais... Les bonus qu'il va me donner, c'est bien. On dirait les mantes religieuses sous stéroïdes. Oui, un peu, oui. C'est... Au final, les mantes religieuses, elles sont faciles à côté. La première fois que je les ai vues, bah, j'ai eu énormément de mal. Mais, mais alors là... Elles sont pas là pour rire. Oh non, sans déconner. Ok, je me régène de suite. Ça veut dire. Hyper tendu, c'est pas possible de descendre leur barre de vie de manière équilibrée un peu en même temps. Non, parce qu'en phase vénère, elle se régène. J'ai testé tout à l'heure avec... comment il s'appelle ? Avec Dead Cells. Je suis tombé... le perso était craqué, mais vraiment. Mais c'est pas possible. Et j'ai perdu à rien, mais... bon, soit. Et les deux ont pris très très cher durant la première phase. Et quand il y en a une qui est morte, bon bah l'autre elle a dit t'as tué ma copine, je vais t'éclater la tronche. Et j'ai sauté dans les pics. Non mais s'il vous plaît quoi. Et elle a régène toute sa vie. C'est peu importe en fait. C'est, il faut qu'il y en ait une qui arrive à la fin de sa vie pour que... Donc d'un côté sur cette run, sur la run avec le grand sorcier, la chance que j'ai eue, c'est que ben j'ai tapé la même quasiment. Et d'un côté j'ai envie de dire tant mieux, qu'est-ce que c'est que ça ? Yaksha. C'est légendaire. Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il envoie? Oh là là. Bon, on va voir ce que ça va donner. Oh là. Oh là là. Il est un peu énervé, ce monsieur. Ah ouais, ben vive le crâne légendaire. Par le pouvoir du crâne ancestral. On dirait un perso de Dragon Ball. C'est pas faux, mais on dirait... si tu veux chercher sur internet, c'est Akuma de Tekken. Si je dis pas de bêtises. Akuma, Tekken, peut-être. On dirait vraiment Akuma. Bon, ouais, c'est un peu... Mais après, c'est... Oh, pas elle. Alors toi, ma pauvre, mais tu vas morfler. Et en plus, j'ai du foison. Je te déteste. Avec tes soins, là. Avec tes soins par milliers. Par le pouvoir du pied. Voilà. Ça t'apprendra à être vilaine. Ah, la blague nulle. Bon, on va prendre... Ah, je voudrais... Ça aurait été bien, la blague nulle, en vrai. Cette tête ne suffit pas, toute sa puissance a déjà été consommée. D'accord, donc je peux même pas augmenter... Enfin, je peux pas augmenter le truc qui tape comme un taré, mais... Non, c'est pas assez. Super. J'adore prendre des dégâts inutiles, c'est vraiment... Oh la vache. Ah, il est pas là pour faire des crêpes, hein. Et pourtant, Dieu sait que c'est bon, les crêpes. Eh ben, pas besoin d'aller chercher des os. On va prendre de l'or et des trésors pour faire un perso... viable. Mais c'est quoi ce pied magique, quoi? Ouais, par contre, je prends très très cher, hein.
Le plat douteux. Oh non, on va prendre ça, oui, c'est très bien. Au revoir. Oh, il y avait le retour de la blague nulle. J'aurais dû la prendre. Où il est le... Le truc pour... Ah, c'est ça. Ouais, il est un peu énervé le personnage, hein. J'ai l'impression. Ah, il est très très énervé. Hein. Foutez-lui la paix, il est vénère. Très très énervé. Ça c'est pas ouf. Ah si, oui, bon. C'est lors d'un sprint, il y a une flèche qui tombe du ciel. C'est pas mal. Mais oui, on va voir ce qu'il va donner sur sur Lent déjà. Ah mince. Ouais d'accord. Pif. Ah mais le pied magique là, c'est... Attendez, comment il s'appelle? Yaksha. Après Taram et le chaudron magique, Yaksha et le pied magique quoi. Ah il est... C'est n'importe quoi. Ah. J'ai fait des erreurs. Ce pied, mais ce pied, il est trop fort ce pied. Taram trop sous-côté. C'est pas faux. Allez, on reprend de la vie. De l'attaque magique, bon, je le prends, mais j'en ai pas besoin. Avec mon personnage. Mais je le prends, on sait jamais. S'il faut, j'aurai une nouvelle tête qui tape très fort en magie. Mais bon, on a vu ce que ça donnait. Ah. Voilà. Ouais, le pied est fort. Mais j'aimerais bien. Oh, c'est un slime. On l'a jamais eu, lui. Ah, c'est pas possible, je prends des dégâts vraiment nuls là, hein, de la part des mages. De bons dégâts, mais il prend très cher parce qu'il est très pas assez rapide. Bon, qu'est-ce qu'il fait le slime? Est-ce qu'il va me soigner? On va voir. Vase magique. Tu es petit et tu as l'air faible, mais tu es en fait assez fort, n'est-ce pas? Merci de m'avoir sauvé. D'accord. J'ai failli être utilisé par ces types sans pouvoir faire quoi que ce soit. Et puisque tu m'as sauvé, je vais te rendre l'appareil avec de la magie. Voyons voir. Ce truc que tu as là, c'est plutôt cool. Je choisis ça. Quoi? Oh là. Attends, il m'a filé deux fois le même item. Ah, c'est ça. Super. Mon bâton magique que je m'en fous, il m'a donné un deuxième. Mais bordel, mais je voulais pas ça. File-moi un truc pour faire plus de dégâts. Aïe, aïe, aïe. S'il faut, c'était le dernier qui... Oh, mais ce pied, arrêtez-le. Bam, le pied. Ah ouais, non, mais le pied. Tu veux du pied? Le pied. Mais j'arrive pas à savoir ce qui tape le pied, cela dit. Bon, on va se soigner un peu, on a de l'argent. Hop. Ah, je peux avoir un nouveau truc. Oh, c'est Macbeth. Je pourrais gagner un nouveau crâne. Et ça, c'est Ogre, totem de guerre. Utiliser un incantation pour invoquer le totem de guerre et infliger des dégâts physiques aux ennemis proches. Oui, je veux ça, oui.
et réduit les dégâts subis lorsque vous tenez près de lui. Allez. Oui, je veux ça. Quelle est cette attaque? La dague de cérémonie. Magique. M'en fous. La vitesse de concentration. Je m'en fous. De brûler les ennemis. Bah, je vais pas dépenser juste pour dépenser, hein. Allez, au revoir. Et comment on fait? C'est quoi? 390, ouais, mais j'ai peur que de pas avoir assez. Allez, on est reparti. Oh, salaud! M'attendez pas à ça. Non, non, pas elle! Ah, j'ai perdu toute ma vie! Bon, j'en ai récupéré un peu, mais... Bon, ok. Mais ce pied! Je veux des trésors, je veux des... Je veux du stuff. S'il vous plaît. Tiens, c'est une petite salle. C'est la première fois que je la vois. Ah. D'accord, donc ça va apparaître petit à petit pour monter. Oh non. Ok. Ça j'apprécie. Le Saint-Pied. Le Saint-Pied. Oui, on va faire ça. Non, donnez-moi de la vie. Le mini-boss. Bon, comment ça va se passer? Oh, il y a une magicienne. Elle a pas beaucoup de vie, mais elle est un peu chiante. Bim, bam, boum. Le pied, le pied, le pied. Elle est morte. Ok. Je peux te gérer tranquille dans mon monde. Allez, je t'ai pété ton attaque spéciale. Et voilà. Le pied. J'ai pris cher, cela dit, mais le pied. Ah, les fleurs de glace, c'est bien. L'échange réduit les ennemis dans une large zone et... réduit les dégâts subis. Mmh. Je veux bien réduire des dégâts subis contre ça. Ah, je veux bien réduire les dégâts subis, c'est bien les dégâts. Ça va, toi? Non, tu veux pour tout le monde. Allez. Pouette, pouette. Faut vite que je pète ça. Ok, c'est bon. Ah, il est pénible, lui. Oh, mince. Ah, je pensais avoir perdu plus de vie que ça. Bon, ça va. Entre guillemets. Oh, il est fort lui. Punaise. Tu m'énerves. Je vais juste vérifier quelque chose. Charge et frappe le sol 3 fois pour infliger des dégâts magiques. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est je tape très fort, mais. Et mes compétences font des dégâts magiques. Bon, c'est pas très grave. Hein. Allez, on se heal. Le génie. Non. Oh, c'est quoi? Le seigneur corbeau. Oh. Ah, ça m'énerve. J'aurais tellement voulu l'acheter. Qu'est-ce que je peux changer déjà? Ah, le dash. Ouais. Où ça?
Ou ça, ouais. Je sais pas. Non, ça serait bien de l'enlever. Non, ça réduit. Bon, alors. Bon, ça serait bien de changer, alors. Ah, mais je peux acheter le truc aussi. On va prendre les PV. Est-ce que je prends le corbeau? Ça a l'air bien, cela dit, hein. Mais l'autre, je peux réduire les dégâts. Bon, allez, c'est bon, hein. Je vais invoquer des corbeaux. Alors ça, on va pas le faire. Parce que je vais gagner... Attends, mais les corbeaux, c'est passif? Je suis Monsieur Corbeau. Ah, mais il y a bien un truc qui soigne, j'ai bien entendu le bruit. Merci de mourir. Vas-y, monsieur Corbeau, fais un truc. Oh, mais ça le fait. Oh! Pif, pif, pif. Oh, tellement de corbeaux, allez-y. Tuez mes ennemis. Pète un peu. Alors, on a droit à... Augmente la vitesse d'attaque jusqu'à 60% en proportion de la perte des PV. Alors, ça peut être bien, mais je vais pas le prendre. Allez! On va regarder K2000. C'est parti pour les nanas de l'enfer. J'y crois, hein. Je sais pas pourquoi, mais j'y crois. J'en peux plus de ces nanas! Les sœurs Leyana. Allez-y, mes corbeaux. Tu es là. Le corbeau. En avant, seigneur corbeau. Oh là là. Oh là là, mais ce qu'il lui a mis! Allez-y les corbeaux, check! Merde, pardon. Oh, mais je prends trop cher, c'est insupportable. Oh non, c'est l'autre! J'avais pas vu qu'elle faisait ça. Vas-y, elle le refait. Non. Faut que je tape, je sais pas laquelle. Ah, c'était elle. Ok, bon, première phase, c'est fait. Maintenant, la pénible. Et les corbeaux, tchic, tchic. Ah, ok. Elle le fait une troisième fois. Non mais elle fait trop mal. Moi j'aimerais bien lui faire ce genre de dégâts. Hein. Oh, je l'ai tué grâce au corbeau. Oui. Oui. Vive les corbeaux. Non, c'est pas des chiens, c'est des corbeaux qui m'ont aidé. Eh, relève-toi, qui est-ce? Comment peut-il avoir le pouvoir du quartz noir? Flûte, le héros. Où est le héros? Quel incapable. Il n'est jamais là quand j'ai besoin de lui. Quelque chose ne va pas. Il est... que se passe-t-il? Ah, quand je vous dis que les corbeaux, c'est bien, personne ne veut me croire. Pas content, Brom. Non, il... Non, il est pas... Non. Ça lui allait pas, ouais. Augmente la vitesse d'attaque. Une attaque normale sur 3 inflige une blessure dorée à l'ennemi. Le plus proche et celui-ci subit des dégâts physiques. Oui, je veux ça à la place de ma botte moisie. Non, celle-là. Ou ça. Ouais. Ouais, ça. Bon, K2000.
quelle est la troisième zone. Petit ascenseur. Au troisième étage. Quoi? C'était une belle journée. Il n'y avait pas fallu longtemps pour que le traité de paix avec les humains soit signé. Aussi me suis-je rendu au château de Caerléon. Il n'y avait pas fallu longtemps pour que le traité de paix avec les humains soit signé. Aussi me suis-je rendu au château de Caerléon. Le fait que le traité de paix ait été mis en place à Sanzacro m'avait fait remettre en question beaucoup de choses. J'ai ressenti le besoin de m'y intéresser de plus près. À Caerléon, il ressemblait beaucoup de monde. Il rassemblait pas. Mais à quoi je sache pourquoi, personne ne semblait heureux d'être là. Comme si quelque chose les ennuyait tous. Intrigué, je me suis fondu dans la foule et j'ai écouté la conversation d'un homme qui avait l'air d'être un officier. Il avait l'air assez sérieux, je me suis dit que je pourrais apprendre des choses intéressantes. Cependant, j'ai perdu mon temps. Ils n'ont fait que parler et se moquer du premier héros. Ils semblaient envieux et jaloux de médiocres humains. Pourquoi ne change-t-il pas? Fatigué de leur médiocrité, j'ai essayé ailleurs. C'est là que j'ai vu le petit garçon. Il semblait en colère. Je pense qu'ils avaient vu se moquer du héros. Ce gamin rêvait d'être comme lui et ne supportait pas qu'on salisse son idole. L'homme a quitté la conversation et s'en est allé. Le petit garçon l'a suivi. Essaie-t-il de se venger ou peut-être de lui demander de s'excuser auprès du premier héros? Si c'était agi de quelqu'un d'autre, je ne me serais pas soucié. Mais après ce que le roi Lemon avait dit de lui, la curiosité m'a poussé à le suivre à distance. L'homme que l'enfant suivait n'est pas retourné chez lui. Il est allé à l'autre bout de la salle de banquet. Et il a commencé à avoir un comportement très suspect. Soudain, une porte grande s'est ouverte. L'homme a regardé par-dessus son épaule et s'est dirigé vers la porte des ruines. Une porte secrète au milieu de Caerléon. Mais pourquoi faire? Caerléon dialogue. Pendant quelques secondes où je fus plongé dans mes réflexions, le petit garçon s'est engouffré à sa suite sans que je puisse l'arrêter. Il ne semblait pas vraiment. Était-ce là la bravoure d'un aventure-héros? Inspiré par son courage et sans plus réfléchir, je me suis aussi dirigé vers la porte. Ok. Bonjour, le laboratoire de bioalchimie. Oh, t'es qui? Ouf. Et gamin, tu t'en es sorti toi aussi. Tu as été leur cobaye, ces alchimistes sont impardonnables. Jusqu'où ont-ils été avec leurs expériences? Ont-ils injecté quelque chose dans ton corps? Ceux qui leur ont résisté ou qui ne sont enfuis ont explosé à cause de ce truc. Alors ouvre l'œil, si on arrive à leur échapper, on arrivera bientôt à sortir. Comment ça, tu comptes entrer? Tu as perdu la tête? Une petite seconde, je vais d'abord sortir et appeler l'armée du roi démon. Méfie-toi de leur golem, et ne sois pas le premier à mourir. J'aimerais bien. Bonjour. Mais il a explosé. Je veux te parler. La sorcière se trouve-t-elle encore au sommet du château du roi démon? Les blessures qu'elle a subies lors de la dernière embuscade se sont-elles aggravées? Alors qu'Aerion n'envoie plus d'assassins comme ceux du vent. Ça va, monsieur? Oula. Bon. Oula. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Oh non, c'est les golems. Saleté. Ça va les golems en fait. Ah mais faut vite les tuer. Oh, oh la vache. Et les cyclopes ils déconnent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Je sais juste que j'ai pris plus de la moitié de ma vie et j'ai pas compris comment. Oh, oh non, faut vite nettoyer la salle. Ah, il faut que je sauve le type. Je sais pas comment je vais faire, mais il faut. Il est pénible, hein, envoyer des trucs. Vite. Vite, c'est un nouveau perso. Oh! Druide maléfique. Oh, un squelette est venu me sauver, tu n'es pas banal. Oui, bon, ben, il est vieux, hein.
Après, elle a une voix maléfique, donc au pire, tu peux faire... Mais bon, ça serait très difficile à tenir. Bref, cet endroit est assez dangereux, sois prudent. Méfie-toi de cet homme. Ses disciples, comme les résidents de cet endroit, sont plus fous les uns que les autres. J'aimerais t'aider, mais je suis trop faible pour l'instant. Les alchimistes sont les pires. Je vais retourner au château du roi des mondes pour me reposer. Ensuite, je trouverai un moyen de t'aider. J'espère qu'ils te donneront leur bénédiction, mais en fait, tu les connais. Si tu veux des renseignements sur eux, n'hésite pas à demander. Je veux des renseignements. Est-ce que tu rêves et tu rêves de quoi? Ah, aide-moi. Bon. C'est Malfurion croisé avec un gnome. Ouais, ouais, on est un putain. Voilà. Ça veut dire oui. Ça veut dire oui. Bon. Oh, de la vie. Un gâteau d'anniversaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Un os de mana. Non. L'attaque augmente l'attaque physique de 15% pour chaque truc en... Ouais. Bon, mais y a pas grand chaos qui me plaît. Oh, par contre, on va avoir des crânes. Oh non, ça, on le fait pas. C'est non. C'est un grand non. Oh, il est beau, le masque. Augmente de 40% les dégâts infligés par derrière. Ouais, non. Pff. Au revoir. Non, je le fais pas. Je suis fait avoir 2-3 fois, ça suffit. Alors... C'est nul! On va prendre des trésors. Hein. Oh, il y a des bouts! Bah, je connais pas les bonhommes et je peux pas voir ce qu'ils font, hein, les ennemis. Vu les dégâts que je ramasse. J'ai pas le temps de voir ce qu'ils font. Après, j'ai envie de dire, vaut mieux que je les éclate maintenant. Hein, parce que... Oh ah, là, c'est dur. Hein. Non, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Bon, c'est pas grave. Ça a créé le machin quand même. Allez, c'est là-bas de fuite. Hein. Ouh, c'est quoi? Un os infini. Ah, mais merde! Pardon. Incompétence en 30% serait... Ah oui, c'est bien. Oh! Oh non! Ils sont trois maintenant! J'ai plus mes corbeaux. Bon, je pense que c'est mort là. On voulait pas, mais. Je pense que là, ça y est, j'ai assez donné. Ouais, voilà. Bon! Eh ben, ce personnage. Même s'il était légendaire, ben... C'est moche ce que je vais dire, mais il m'a pas plu. Dans la façon de se battre. Bref, parlons. Je sais qu'il est difficile de quitter sa maison, ce que, heureusement, je n'avais pas de famille, ce qui a rendu ma décision plus facile à prendre, parce que je te l'ai déjà dit la semaine dernière, tout ça, mais j'ai pas de nouvelles phrases. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux avoir? Augmente de 30 la vitesse de rechargement des crânes d'équilibre. Réduit de 10 les dégâts reçus par les crânes de puissance. Augmente la vitesse d'attaque et de déplacement des crânes de vitesse. Merde. On va peut-être juste augmenter les trucs comme ça alors. Hein. Parce que c'est pas fou. Ouais, on va peut-être juste faire ça. Hein. C'est dommage, mais bon. Redonnez-moi le clone. S'il vous plaît, il me manque. Des dégâts physiques, youpi. Et les deux. Et toi, tu fais quoi alors? Je le refais. Alors. Bienvenue mon petit, tu veux savoir quelque chose sur eux? La colère veut nous rendre instinctifs, nous faire ressentir les émotions puissantes. La colère incontrôlable. C'est un facteur des plus essentiels. Nous avons besoin d'un vice. Si tu acceptes sa bénédiction, son énergie furieuse te fera avancer sans relâche sur le chemin de la vie. Même quand tu verras tes ennemis tomber comme des mouches sous tes attaques rapides, cela n'apaisera pas ta colère. Si tu es en tête à vouloir garder le contrôle, tu finiras par te faire dévorer. Souviens-toi, la meilleure défense, c'est une bonne attaque. Ah, il y a écrit sanctifié, j'avais pas vu.
Le calice oscille. Mais c'est plutôt fort! Pourquoi es-tu tellement occupé, créature impie? Tu crois vraiment... C'est la paresse. Tu crois vraiment que ta ferie de la sorte échange quelque chose? Sois paresseux, le résultat sera le même, je te donne ma bénédiction. Ok. Je sais pas trop ce que ça fait en plus, mais... Je peux pas avoir plus de détails. Ok. Bah, j'ai un bouclier. Soit. Et on repart. Cela dit, en fonction de la longueur de la run, ça sera peut-être la dernière. On verra jusqu'où je vais. J'adore, j'avais un bouclier et j'ai tout cassé. J'ai déjà perdu 32. Je dis n'importe quoi. Un trésor. Allez, ça c'est fait. Allez, on se concentre un petit peu. Ah, tu vois, il y a la Bible. Ok. L'ondine, esprit de l'eau, c'est pas mal. Quand ça glace et tout, c'est pas mal. Oh, mais mince! Il allait mourir avant. C'est juste qu'il y a le... un totem de régène. Ah, et les bénédictions, elles peuvent être vraiment fortes, hein. Je suis content. Au moins d'avoir débloqué un nouveau truc pour avancer. Parce que pour l'instant, c'est pas ça. Je suis vraiment mauvais, hein, mauvais. Hein. La gargouille, c'est non. Et la mine... La mine, c'est non non plus. On se casse, hein. On va faire le combat contre eux, et puis voilà. Aïe, 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 aïe. C'est Paul Marat. Je l'ai pas vu mettre son truc en l'air. Je vais m'excuser. Je le vois pas mettre son truc en l'air. Comment je l'ai congelé? Ah, Ondine. Allez, vite. Tant pis, il l'a fait. C'est fou de pas voir cette attaque venir, quand même. C'est une des plus faciles. C'est un des boss les plus simples. Et j'arrive encore à... pas perdre dessus, mais... me faire avoir... Alors ça, c'est non. Oh, la bulle de vase, quelle bouse. Oui, oui, bah c'est décevant. Oui. Je suis au courant. Mais c'est pas moi qui choisis. Ah, ouah. Ouais, la congélation d'Ondine, c'est fort. Ouf, ouïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais, qu'est-ce que je fais? Je fais le n'importe quoi. Ouf. Oui. Ça va, y'a plus personne. Ok. Il me faudrait des trésors. Oui, 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 les trésors. Oh, poulet. Ouais, je voudrais des trésors au poulet. Débrouillez-vous pour me trouver des trésors au poulet. Boum 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 boum. Allez. Bon, le shop. Pas de nouvelles têtes qui vaut le coup. Ah si, bah là, il y a l'alchimiste. Bon, on va le prendre, il est gratuit. Ça c'est la tourelle de Torbjorn, non merci. Je veux bien les PV en plus.
et le fait d'enflammer les gens. Ah, on va peut-être avoir un nouveau perso, Slane. Ah ouais, j'avais oublié qu'il faisait ça. Et qu'il était marrant pour ça. Oula. Plip, 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 plip. Ouais, je sais pas ce que j'avais les mages aujourd'hui, mais... Ouais, mais le ninja était vraiment fun, hein. Ouais, non, désolé, mais non. C'est pas que je t'aime pas, le loup, mais t'es un peu faiblard. Comparé à lui. Je suis resté à côté lui faire un câlin, mais c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. C'est pas grave. Oh! C'est bien ça! Le mur avec de l'armure. Ah mince, c'est le boss. Bah, whoopsie, hein. Ah, je suis pas sûr d'y arriver, tiens. J'ai plus beaucoup de points de vie. Comment ça fait que j'ai 6 fioles de dégâts là? Je m'en plains pas encore une fois, mais c'est fort. Dégâts. J'ai pris beaucoup trop de dégâts. C'était pas ouf. Aïe aïe aïe. Oh, petit bouclier de bois là. Il était bien celui-là. Beaucoup de points de vie. Dommage, je peux pas améliorer mon machin, mais c'est pas grave. De toute façon, j'aimerais bien en avoir un autre, quoi. Non, on va pas faire ça, non. Ouais, je sais pas en vrai. Bon, on va tenter. De toute façon, s'il meurt, c'est pas très grave. Hein. C'est juste qu'au moins, je peux perdre beaucoup de dégâts. Je peux prendre des dégâts là-dessus. Hein. Allez, go. Ouais, non, c'était peut-être pas une bonne idée. Je fais pas assez de dégâts. Ouais, malheureusement, qu'est-ce que je fasse à ça là? Ouh là là, calmez-vous, merci. Quoique, j'y suis arrivé. Bon, bah écoute, on va tester. Hein. Bah, je prends très cher, c'est la meilleure. Ce serait bien de faire de la glace là-dessus pour l'empêcher d'avancer, voilà. Congélation, congélation, allez. On congèle tout le monde, allez. Vite, 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 vite. Non, 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 non. Oui. Ils ont dit oui. Ils ont fait oui. Oui, moi je n'y croyais pas non plus dans le cas. Ouais. Allez, donne-moi. Je m'étais fait avoir aussi avec l'argent la première fois. Parce que la prochaine fois, je le fais pas. C'est juste pour avoir de l'or pour... Bon, pas pourri, mais... Ah, pas d'or. Yeah. Mais j'arrive pas à... Ok, c'est bon. Oui, la congélation en masse. Zou, zou, zou. Ah. Ah, mais je fais 8 avec une attaque. C'est nul. Ah, ok.
Pip, 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 pip. Mais c'est tellement nul. Aïe, aïe, aïe. Ouais, faut vraiment que je change de tête. Une tête bien? Oh non, c'est une tête mauvaise. Je la prends parce que... Bon, on verra. Mais c'est pas fou, ça. Ah, il y a... Oh, le boucher. On va prendre le boucher, ouais. Une quintessence, ce serait bien. Invoque un trio de lutins farceurs. Allez, go. En avant, les lutins farceurs. Ça, c'était bien, c'est dommage. On veut ça. Go, les lutins farceurs. Vas-y, le boucher. Le boucher de Diablo. Je fais de bons dégâts. Je les mange. Ding. Je vous mange tous. Je me nourris de vos... Mais j'ai l'impression d'être plus gros. Attends, quoi? Oh non, j'ai rétréci. Attends, j'ai une passive. C'est quoi? Oh, c'est quand je mange les morceaux de chair. Je suis de plus en plus gros. Mais ça s'en va vite, non? J'ai l'impression. Là, je les ai plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Armure de vent. Oui, bon. Ouais, de l'argent. Je pense que je vais croiser quelqu'un pour l'argent. Ouf. Viens ici. Donnez-moi à manger. Madame les servantes, donnez-moi la nourriture grâce à ma passive. Blam, body slam. Parce que je peux être très très gros, cela dit. Mais qu'est-ce que ça fait exactement? Ah non, les piques. Nom nom. Zouch. Je vous mangerai tous. Body slam. Bam. Je vais tous vous manger. Comme les Monster Munch. Oh non! Bon, là, ça fait un peu plus compliqué. Allez-y, les trios gobelins. Elle est pénible, elle. Oh oh. Oh, elle a tellement soigné. Ok. Elle est morte. Maintenant à toi. Allez, meurs. Merci. Bon, c'est une cata, j'ai plus de vie, mais ouais. Le javelot. C'est quoi ça? Battre un ennemi donne 20% de chance de créer une explosion. On augmente les PV maximum. Bon, moi, je voudrais les PV maintenant. Ça tombe bien. Un marché. Bonjour, comment on fait pour augmenter? 30. Oh non. Oh non. Tant pis. Et pas de marché en vue pour le moment. Haha. Un trésor, s'il te plaît. Gars. Vous allez morfler. Oh là là, oh là là, doucement. Mais oh, je vais mourir. Oh, qu'est-ce que c'est que ça?
On a la vitesse d'attaque aérienne de 70%, la vitesse de déplacement de 100% et permet de sauter une fois de plus. Bah... J'ai envie de dire c'est bien et c'est pas bien, quoi. Ouais. Bah, va falloir que je change, hein. Il faut que je joue de loin, hein. C'est pas possible. Oh. Donnez-moi la vie. Non. Oh, de l'attaque physique de 6% pour chaque ennemi proche. Ah, oh, mais ils sont pas bons, les objets. Diminue les dégâts subis de 30% lorsque les PV sont... Oh là là, mais quel cata! Ouais, faudrait ça, et encore, quoi. Oh non, c'est nul. Ouais, c'est pas fou, ça, allez. Ça dégage. J'aime pas qu'il me fasse supprimer un objet, mais que ça me serve à rien de supprimer l'objet. Ouais, non, c'est une cata, ce personnage-là. Enfin, c'est pas une cata, c'est que... T'as pas assez fort, là. Alors que là... Là, je mange les gens, là. Genre littéralement, je les mange. Je prends une chips que je mange, voilà. Encore un item pété. Crée un bouclier d'une valeur de 10 PV en se concentrant. Mais c'est quoi la concentration? Moi, je veux bien me concentrer, mais on fait comment? Comment on fait? C'est pas comme ça. Ça, c'est un échange, c'est pas une concentration. Comment on fait pour se concentrer dans le jeu? Est-ce que j'ai un bouton dans les commandes, est-ce que j'ai concentration? Bah non, j'ai pas concentration. Donc ça doit être un autre truc. Mais quoi? On ne le saura jamais. Ouais, il faudrait des os, ouais. On sait jamais. Oh là là, calme-toi. Ils sont pas ouf les diablotins, mais qu'est-ce qu'ils sont pas ouf? Moi au début j'ai vraiment cru qu'ils feraient des trucs et plus ça avance et plus c'est nul. Il est très gros le boucher, mais c'est tout quoi. Oh la moto! On prend la moto. C'est bête à dire, mais la moto. Ouais, super, je vais me battre contre les deux nanas avec ça. Je me sens vraiment bien. Bon, c'est dommage. Regardez-les-moi, les trois diablotins qui sont nuls là. Eux. Allez-y encore. Oh la vache. Comment je vais les taper? Oh encore ça va. Ouais, je leur fais pas de dégâts. Je me concentre, désolé, mais je vais essayer de le faire, mais j'y crois pas. J'essaie vraiment de me battre jusqu'au bout. Même si le combat risque d'être très très rude. Ah, j'ai pris un coup gratuit pour rien. Tu veux pas revenir vers le milieu, s'il te plaît? Je vois pas ce que tu fais, ça me... J'aime pas. J'aime pas ne pas voir ce qu'elle fait. Ok, là je vois, malheureusement.
Ouais, le combat est faisable, mais il est pas évident. Mais il est faisable, genre largement. Mince. Ouf. Ouais, je vais passer une phase, c'est sûr, mais... Est-ce que je vais arriver à... À la deuxième phase? Ah, rien de moins sûr. Ah, c'est pénible quand ils font ça, par contre. Je sais pas si je vais y arriver. Le problème c'est que je sais pas laquelle il me faudrait taper. Celle qui a moins de vie, merci. Mais... Ah, c'est elle? Non, c'est pas elle. Ah, ok, les deux reviennent. C'est qui? Enfin, ça, on a les deux, elles ont pas trop de vie, mais... Ah, mince! Ok. C'était trop long. Ouais, non, elle régène de 1000 points de vie, quoi. Ouais, ouais, d'accord. Ok, bon, bah, c'est mort, hein. C'est, je veux bien croire en moi tout ça, mais là, non, c'est non. Allez. Non! Oh non, mais c'est pas possible! Deux fois que je meurs contre elle et deux fois un point de vie! J'ai pas de bol, hein, sur elle. Ah, la vache! Mais c'est pas possible! Deux fois, je perds un point de vie! Ça me fait suer! Allez, un peu d'eau. Et j'en relance une dernière. Et après, j'arrête. Ah, je suis énervé, j'y étais presque. C'est dommage. Ouais, je vais prendre des PV. Et c'est tout. Super. Allez, go. Mais je me suis... C'est dommage. Ouais, bon. C'est pas le mieux. Ah oui, la boîte. Oui, moi Cupide, oui. Je me sanctifie. Et c'est quoi? La luxure, le contrôle, quelle vilaine idée. Prends tout, à qui sert de contrôler. Montre ce que tu sais faire. Lorsque tu vaincras tes ennemis avec tes compétences, elles dépasseront leurs limites. C'est dommage parce que j'ai pas vu ce que c'était. Dis-moi ce que c'est. Non, c'est pas l'envie. C'est pas l'orgueil. Bon, j'ai pas vu ce que c'était. Mercredi. Il lui restait littéralement un point de vie à... Ah la nana, quoi.
Tu vas me dire après avec le stuff que j'avais, je sais pas si j'aurais pu aller plus loin. C'était très dur. Même aller plus loin, je pense que ça allait être compliqué. J'avais trop peu de points de vie. Ah si, peut-être en croisant. En croisant l'araignée pour augmenter mon personnage. Ouais, et encore, je suis pas sûr que ça m'aurait aidé. Ah, peut-être j'aurais pu augmenter le boucher. Le boucher était fort contre les trash mobs, mais pas contre les sœurs. Après, c'est bataillon, mais je suis quand même curieux de combien il y a de zones au final. Hein. Parce que je vois pas beaucoup de marge de progression de mon personnage. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je gère du début jusqu'à la fin, et que ça dépend énormément des objets que je ramasse. Enfin, ok, c'est un roguelite, il n'y a pas de problème. Oh! Bon, ben je le saurai pour les prochaines. Parce que bon. Le jeu est bien, il n'y a pas de soucis, le jeu est sympa, je m'amuse énormément. Mais j'ai peur que ma marge de progression après ben, soit ultra freinée. Déjà, troisième zone, je me faisais mais fracasser quoi. Et encore, j'avais un personnage qui était très très fort. Là, je sais pas s'il y avait le montard, j'aurais pu continuer la zone. Hein. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est, je m'en plains pas, au contraire, parce que le jeu est très très chouette. Ah, bah, t'es super. Et là, qui voilà. C'est lui, c'est Inspecteur Gadget. Allez, on va chercher des crânes. On verra, mais... Ouais. De toute façon, c'est plus je vais jouer au jeu, c'est bête à dire, mais plus mon personnage va être fort. Hein. Ce qui est normal. Avec tous les cristaux que j'amène, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, le fait que je sois pété comme ça. Enfin, pété. Que je puisse, du moins, essayer de m'améliorer. Ça va s'arrêter, vu que j'ai vu que c'était que de jusqu'au niveau 10, par exemple, pour les premiers. On verra, je suis pas encore, c'est sûr, mais... Ouais, je sais pas. Ça me paraît bizarre. J'ai pas besoin de nourriture... accélère le rechargement de la quintessence, j'en ai pas... Oh, un nouveau! Je veux le nouveau, c'est quoi? Une armure vivante. Allez, go, je la prends. Oh, mon dieu. Je fais des flammes autour de moi, et je dash. Ok, bon. Ça, je veux bien, oui. Les points de vie en plus. Et la mine, c'est non. Hop, allez, mid-boss avec le nouveau personnage, qui est en feu. Mince, j'ai voulu esquiver, mais j'y suis pas arrivé. Ça fait quoi quand ma barre est là à fond? Oula, je brûle de mille feux. Ok, d'accord. Et après, mes sorts sont plus forts. Ok, pourquoi pas. Hein. Ah, pardon. Mais, oh, je prends des coups vraiment nuls. Hein. Il peut être bien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, le berserker? Non, pas le nain. Ouh! Je le supprime. Comme ça, au moins là, il y a l'araignée. Et je deviens plus forte. Oui, je veux ça. 100! Donc en fait, il est déjà niveau 2. On va prendre lui. Parce que c'est bête à dire, mais lui, on connaît, on sait qu'il est très très fort. Allez,
On va regarder K2000 et on va essayer d'avoir 100 os maintenant. Mon dieu, pourquoi j'ai fait ça? C'est pénible. J'aurais dû essayer d'avoir 100 os, mais avec lui. C'est bête à dire, mais il est sympa à jouer même au niveau du gameplay. Ah, je vais avoir des PV en plus, je crois. C'est ça qu'a fait ou de l'attaque? Ah oui, d'accord. Ouais, c'est pas mal, hein, comme gameplay, j'aime bien. Allez, je te libère. Mort mais vivant, oui, bon ça on sait, mais qu'est-ce que tu m'amènes? Ah, augmente la vitesse d'attaque pendant un petit moment. Cool. Allez, go. Ça a l'air d'être tout le temps par contre. Parce que le buff ne se désemplit pas. C'est cool. J'aime les trucs cool comme ça. Et toi là, brûle! Brûle, brûle! Les hérétiques brûlent. Allez! J'ai pas besoin de me heal. Ça serait bien de faire quelques dégâts. Oh, c'est quoi ce quintessence? Génère un œil maléfique sur un ennemi étourdi. Ah, un ennemi étourdi. Pour infliger des dégâts magiques au fil du temps. Utilisez la quintessence pour que l'œil maléfique cligne et inflige des dégâts magiques aux ennemis proches en les étourdissant. Ah, en les étourdissant. Bon, allez. On va tester. Après, j'avoue que ce serait bien de les... C'est pas fou, les objets. Ça, c'est bien. Voilà. Ça, c'est bien. Alors, on veut des os. On va essayer d'avoir des os et plein d'eau. Ya ! Brûle ! Vous voyez, rigolo, l'armure vivante. Mince, c'est pas... Ya ! Et je deviens une torche humaine, et ya ! Ok, ok. C'est une compétence en plus que je peux faire, oh ! Ouais, le guerrier, donne-moi des... Oh, des crânes, encore des crânes. Le genre des crânes. Ya, ya. Par le feu. Sois purifié. Oh. Swish. Je fonce. Mon dieu. J'ai pas vu que c'était mon sort en plus. C'est pas grave. Hé, rigolo l'armure vivante. Mais j'attends mon... Salut toi, ça va? Mais j'aimerais bien revoir mon petit clown, cela dit. Un clown était vraiment cool. Aïe! Ça, c'était cool, ça. Bon, pour l'instant, j'ai pas vu l'œil, parce que bah, de toute façon, j'étourdis pas les gens. Qu'est-ce que c'est? Le moteur à mana en panne. Lors d'un sprint, génère une masse magique. Ah oui, on l'avait eu sur une première game, je crois. Genre, c'est touc, et ça fait une boule qui peut exploser. Ça peut être bien, ouais. Bon, allez, encore l'ent. C'est dommage que l'ent, il file pas des os. Franchement. Moi, j'attends que ça de lui. Qu'il me file des os. Check, check. On va laisser passer. Et push. Oh, ça me permet de recharger plus vite mon... Oh mince. Mes attaques de mana. Aïe, le feu. Aïe, le feu. Pardon. C'est quoi? Je prends plein d'objets pour faire le feu. Check. Le mauvais œil. Oh oui, bravo à Gramagnou. C'était nul parce que bah, de toute façon... Après j'ai le droit d'esquiver, il paraît.
Ça, il fallait esquiver. Bon, j'ai un peu fait n'importe quoi dessus. C'est vrai. C'est vrai que, bon, ben, j'ai fait un peu n'importe quoi. Tout ça pour voir l'énigme. Vas-y, on... ah, j'aurais voulu le tester. Mais au final, les yeux... Vu que je stun pas, je sais pas pourquoi je l'ai pris, je suis con, mon dieu. J'ai dépensé mon fric pour rien. Bim bam boum, bim boum. Ouais, il est pas mal, l'armure vivante, il rigole. Oh, mais qu'est-ce que j'ai pris, là? Oh, mais c'est pénible. Mais j'ai l'énigme. Ça fait quoi, l'énigme? Allez, go, l'énigme. T'appelles ça une énigme? Putain, il se fait dangereux de travailler dans un escape game, là. C'est nul! C'est très nul, l'énigme! C'est nul! Oh, t'es qui? Ah non. Je vais te donner une énigme. Tiens, prends l'énigme. Madame, prends l'énigme, arrête de... Ah! Prenez l'énigme! Laissez-moi libérer mon pote. Je sais plus ce qu'il fait. Non, non, non! Oh, c'est dégueulasse. Oh, quand je suis en dialogue, je me fais défoncer, super. Ah, c'est pas fair play du tout, ça. Ça pour un crâne bourrave, là. Ouais, super, merci. Heureusement, je vais peut-être pouvoir acheter de la nourriture. Oh. Cool. Ah, je suis déçu, là. De m'être fait complètement avoir alors que... Après, c'est ma faute, j'aurais dû finir là. La zone. Feu! Ce mec est on fire! Pif! Oh, un crâne! Oh, mais... Ah, c'est pas le même, cela dit. Mais... Mais ouais, il est cool. Le coup de bouclier. Hmm. Ah, il est très très cool. Hein. C'est le Dead Cells, le retour. Dead Cells. Ouf. Allez. Ouf. On avance. Oh, l'énigme. Je trouve ça tellement nul. Mais tellement nul. Après, j'aime beaucoup l'armure de... Ouais, non. Si c'est juste pour de l'argent, vous irez vous faire voir. Merci. Cordialement, bisous. Oui, on prend, hein, c'est gratuit. Ah, mid-boss. Oh, super, je vais pouvoir poser plein d'énigmes. Oh, mais quelle est cette énigme?
sais pas ce qui est le pire, le ninja ou... Je vois pas le ninja, il est caché. Hein. Ouais, mais je vois que dalle, hein. Il est toujours caché derrière l'autre. Comment je fais? Énigme. Énigme. Oh, qu'est-ce qui me les brise? C'était trop bien, cette énigme. Je veux bien la refaire. Je retire ce que j'ai dit, les énigmes, c'est bien. Il y a le génie. Oh non. Mais il y a des trucs trop cool. Ah. Non, pas la vase. Hein. Ah, mais je voudrais les os, moi. Allez, je prends les os. Bonjour. Ah, mais je peux augmenter Dead Cells. Oh, bordel. Ah, il me faut plus d'eau. D'os. Oh non. Ah, l'énigme! Au final, l'énigme... ça fait un peu le travail, hein. Un objet. Après avoir utilisé une compétence, l'attaque normale suivante inflige des dégâts physiques supplémentaires. Oui, je veux. Il est où le... Il est là. Oh là là. Tu veux pas prendre l'énigme? Oh là là, la catastrophe. Ah, il me gonfle. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie et il n'y a pas de marché. Oh non. C'est non. Eh, tu m'en veux pas, mais bisous. Ciao, ciao. C'est non. J'ai pas envie de perdre maintenant. Oh, le marché. Il y a un crâne. Le bombardier squelette, oh j'aurais dû le prendre. Parce que je pense que je vais garder Dead Cells. C'est quoi ça? La harpie, génial. Et sinon, en quintessence pourrie, vous voulez pas m'en donner des meilleurs? Mais bien pourrie. Qu'on s'embête bien comme il faut ensemble. Mais qu'est-ce qui m'étourdit là? Hmm. Vite, 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 vite. Ok. Ah non, l'énigme, vite! Heureusement, l'énigme. L'énigme peut être très bien comme très nul en fait, c'est le problème. Mais c'est pas possible ce truc. Tu vas me saouler longtemps, l'archer. Ah, attention. Ah, oh, c'est le boucher. Bon, qu'ils appellent la goule pour je ne sais quelle raison. Okay.
Bah non, bizarrement, je vais rien faire. Je veux survivre. Je peux le faire. Oh mais non, mais non! Ça va, tout est allé dans le bouclier, mais... Il en reste un là-bas, quoi. T'es pénible, toi. Hein. Pipi 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 pipi. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait... Oh, j'ai failli prendre très 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 cher là dans la tête. Un crâne. Oh non, c'est le clown. Aïe aïe aïe, coup dur. Coup dur pour le joueur français là. Bon. De toute façon, on va falloir qu'on tape les deux vilaines, donc c'est parti. Allez, on va essayer de se reconcentrer comme tout à l'heure. Donc je vous dis à dans 5 minutes. même pas. Je vais essayer de bien le faire. Comme tout à l'heure. Ah mais... Check, check, check. C'est très très dur. Ouais, non, je sais pas si je vais y arriver. Hein. Oh là là! À cause de ça, j'ai même pas vu ce qui se passait. C'est dommage. Ouais, super. Impeccable. Ah putain, mais... Impeccable. C'était... Ouais, c'est une fin incroyable. Bon, c'est pas grave. Bon, on va acheter chez la sorcière et on va arrêter là. Hein. Ah, quel dommage. Mais le jeu, il est dur aussi. Je fais comment? Regardez, là, il y a écrit 7 sur 10. Je suis déjà à 7 sur 10 et j'ai l'impression de taper comme... Bah, comme un squelette, mais... vraiment, en manque de calcium très fort, quoi. Donc, c'est très... C'est très dur. Bon, allez, on a acheté. Allez, on va s'arrêter là. Dommage. On a vu le troisième niveau. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Bon, ben, je vous fais de gros bisous, oui. On va dire ça, allez. Je vous fais des bisous. Ce soir... Attends, qui c'est déjà qui stream ce soir? Je vais regarder ça pour vous. Je regarde vite fait, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié qui c'est qui streamait. Donc j'essaie de vous le trouver. Il est où? Ok, c'est là. C'est Draken, normalement. Qui va faire du Rayman Origins. Si c'est ça. Oui, oui, c'est bien ça. Donc, sur ce, venez sur le Discord, parce que c'est très cool. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et, cordialement, bisous.